Miss Elena. Oui, non, on avait prévu comme ça. Donc je reprends, après Selena, et puis c'est bon. Alors, est-ce que vous n'avez pas trop l'estomac rempli de bons aliments? Parce que sinon, j'ai peur que la sieste soit au rendez-vous. C'est vrai. On peut faire encore quelques kilomètres. Alors, donc, on reprend nos travaux. Joséphine Dalimier, ici présente, va nous faire un exposé, donc sûrement tiré de ses travaux doctorat. Donc, c'est la deuxième géographe, sociologue géographe, et c'est le cas de la région où vous habitez, oui. En Belgique. Voilà. Est-ce que vous avez des diapos? Vous avez déjà préparé? Oui, mais je ne sais pas. Je tire ça. Soit vous voulez utiliser ça, soit je vous... Ça fonctionne quand je... Oui. Alors bonjour à tous et à toutes. Donc vous remarquerez déjà que le titre inscrit sur mon PowerPoint n'est pas tout à fait le même que celui inscrit sur le programme. C'est la réalité des thèses en construction, mais le sujet que je vais aborder est relativement similaire. Alors pour rentrer directement dans le vif du sujet, la distribution du pouvoir... Les conseils de politique alimentaire sont-ils le lieu pour mettre en débat les divergences d'opinion? Un vaste débat. Et l'objectif de cette présentation n'est pas de vous donner la réponse à cette question, mais bien de présenter tout le processus de réflexion qui m'a amené à poser cette question. Et pour cela, en fait, je vais passer en revue trois points clés qui sont en fait trois points repris dans ce titre. La question de la distribution du pouvoir, la divergence d'opinion à ce sujet entre les alternatives et la question des conseils de politique alimentaire tels qu'ils existent en Wallonie. Non, ça va fonctionner. Non, je peux faire. Voilà. Alors, pourquoi m'intéresser à la distribution du pouvoir? Pour ça, il faut revenir aux prémices de ma thèse. Donc moi, je suis géographe. Et comme tout géographe en sciences humaines, je me suis intéressée au concept de développement territorial. Et parce que c'est un concept angulaire tout simplement dans cette discipline, et Gasselin et ses collègues, ils ont constaté que depuis la fin du siècle dernier, il y a différents paradigmes du développement territorial qui se sont succédés dans la littérature. Et c'est ainsi que, à partir des années 80, le débat sur le développement territorial va surtout se centrer autour de la question de la spécialisation versus la diversification des fonctions de l'espace. Ensuite, dans les années 90, c'est surtout le concept d'innovation qui va être considéré comme le moteur principal du développement territorial, pour voir apparaître dans les années 2000, avec la montée des risques climatiques, la montée du concept d'adaptation, notamment au changement climatique. Et c'est plus récemment, depuis 2010, qu'on voit de plus en plus apparaître dans la littérature le concept de transition. Et moi, c'est dans ce champ de recherche que je me situe, sur la question des transitions du système alimentaire à l'échelle des territoires. Et dans ce champ de recherche, il est intéressant de noter que depuis 4, 5 ans peut-être, il y a une sorte de tension sémantique qu'on voit apparaître. C'est-à-dire de plus en plus d'auteurs, en fait, au sein de leurs articles, vont substituer de manière équivalente le terme transition avec transformation. De temps en temps, il y a aussi des auteurs qui vont en fait contredire ces concepts-là en disant « Non, moi je ne parle pas de transition mais de transformation parce que... » Et puis on voit même apparaître quelques auteurs qui vont les associer parlant de transition transformative.
Et donc cette tension sémantique m'a un petit peu questionnée et j'ai essayé de lui donner une signification tant qu'il est possible de lui donner une signification. Alors, ces deux termes, transition et transformation, ce sont des termes qui sont conceptualisés dans des champs de recherche qui sont distincts et qui sont par ailleurs toujours en construction. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiarisés à ces figures, sur votre gauche, vous avez le schéma qui représente la multi-level perspective, donc qui est un schéma assez emblématique dans les études sur les transitions. Alors, qu'est-ce que nous dit ce schéma ? Ben, une transition d'un système a lieu sous la pression de différentes forces, allant du local jusqu'au global, de manière à reconfigurer les différentes dimensions d'un système vers un nouvel équilibre. Sur votre droite, c'est un schéma qui présente les différentes sphères qui nécessitent de se réaligner pour qu'il y ait transformation. Alors, je ne vais pas m'attarder sur le contenu de ces deux champs de recherche. Il est juste intéressant de noter que malgré qu'ils abordent différemment la question, ils se ressemblent dans le sens où, dans les deux cas de figure, le changement d'un système est le résultat d'une nouvelle association entre différentes dimensions d'un système. Alors, pourquoi certains auteurs, alors, arrivent à mettre ces termes en tension ? Alors j'ai lu quelques articles sur le sujet et il me semble qu'il y a une récurrence souvent quand les auteurs défendent le concept de transformation. En fait, ils expriment une lacune qui est adressée aux études des transitions, c'est la question du pouvoir. Donc dans les études sur la transition, on conceptualise souvent le moteur du changement comme des innovations socio-techniques. Et la question du projet proactif de redistribution du pouvoir d'un système n'est pas explicitement abordée. Et voilà, c'est un petit peu ce qui est défendu ici. En fait, un système fonctionne parce que le pouvoir est distribué d'une certaine manière. Les acteurs qui possèdent un certain pouvoir ont une certaine influence qui va produire une certaine réalité. Si on prend l'exemple, par exemple, du système alimentaire, pour être un peu dans la caricature, la grande distribution, les politiques européennes possèdent beaucoup de pouvoir comparativement à d'autres acteurs, et ça va, dans une grande partie, expliquer la réalité du système conventionnel que l'on observe aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est de se dire, mais si on n'a pas un projet proactif pour redistribuer ce pouvoir auprès des acteurs qui sont marginalisés dans la prise de décision au niveau du système alimentaire, alors aucun changement radical ne sera possible. Donc je ne dis pas que cet élément est un élément de définition qui permet de distinguer les deux champs de recherche, je souligne juste que cette tension sémantique fait apparaître ce gap, cette lacune qui est adressée aux études des transitions. Et donc, à ce stade, retenons juste ceci, pour qu'il y ait un changement radical, il faut un projet proactif de redistribution du pouvoir, notamment auprès des acteurs marginalisés du système. Et ceci nous amène à parler des alternatives. Alors, les alternatives dans la littérature, à nouveau, en tout cas la littérature à laquelle je m'intéresse, les alternatives sont souvent présentées en opposition au système alimentaire conventionnel. Alors, il y a des critiques à faire à cela, toute l'étude sur l'hybridation des systèmes, etc. Mais il y a quand même une part pertinente à opposer conventionnelle et alternative, dans le sens où un point commun qui rallie les alternatives, c'est de s'opposer au fonctionnement du système conventionnel tel qu'il existe aujourd'hui. Et l'objectif de ces alternatives, notamment, c'est de considérer que le moteur de développement ne doit plus être lié à une logique de rationalisation et de profit, mais bien d'essayer de construire un nouveau contrat social qui sera lié par l'introduction de nouvelles proximités au sein d'un système. Donc ici, j'ai représenté trois formes de proximité, la relation à la nature, relation sociale, relation proximité géographique spatiale. Donc en fait, ce sont toutes des initiatives, par exemple, qui vont chercher à développer les pratiques agroécologiques, donc le lien à la nature, rapprocher les agriculteurs des consommateurs, rapprocher donc le lien entre les acteurs du système, ou la création de circuits courts liés à la logique de rapprocher les éléments du système d'un point de vue géographique. Donc souvent, le mouvement des alternatives est perçu comme unifié, et pourtant, il recouvre des réalités fort diversifiées. Et c'est là où j'en viens à la question de leur projet transformatif.
Donc, j'ai remarqué que dans ces différentes alternatives, je donnerai un exemple juste après, elles se distinguent notamment dans leur projet de redistribuer le pouvoir de manière différente. Donc, elles cherchent à émanciper des catégories d'acteurs différentes. Alors, ici, trois exemples qui sont des alternatives, donc qui ont tous ce projet de recréer un nouveau contrat social en recréant des nouvelles proximités, mais qui se distinguent donc à un niveau. Donc, on a Terre en Vue. Terre en Vue, c'est une, en fait, c'est la petite sœur belge de Terre de Liens. Voilà, le nom. Donc, c'est une coopérative qui cherche donc à faciliter l'accès à la terre aux agriculteurs grâce à l'épargne citoyenne et par ce biais de promouvoir davantage les pratiques agroécologiques grâce à des clauses environnementales. Farm for Good, c'est une coopérative d'agriculteurs donc qui cherche à recréer un réseau d'agriculteurs en vue de soutenir la transition agroécologique des fermes grâce à un soutien technique et commercial. Et la dernière initiative, c'est un parc naturel régional, celui du cœur du Condro, donc qui reçoit des financements pour développer des projets en vue de renforcer la durabilité du territoire. Alors, si on prend ces trois exemples de manière distincte, on se rend compte qu'ils cherchent à émanciper des catégories d'acteurs différents. Le premier, Terre en Vue, cherche à extraire le foncier de l'économie de marché, et pour ça, il cherche à renforcer la maîtrise de la ressource par la société civile et par le citoyen. Dans le deuxième cas, Farm for Good, en fait, cherche à créer un modèle économique qui va permettre de rendre autonomie et liberté de décision pour les agriculteurs afin de faire évoluer leurs pratiques vers des pratiques plus agroécologiques qui est aujourd'hui compliqué dans le système économique tel qu'il est construit aujourd'hui. Et le troisième projet donc, cherche à renforcer l'autonomie d'un territoire, renforcer la résilience du système alimentaire pour ses habitants, avant tout. Donc, trois portes d'entrée, trois acteurs qui sont aujourd'hui, trois formes d'acteurs qui sont aujourd'hui plus marginalisés du système alimentaire. Et donc, trois manières un petit peu de faire société différemment en mobilisant des mécanismes différents. Alors, cette différence de penser, faire société, au-delà juste d'un intérêt purement conceptuel de considérer qu'il y a des différences, ça a son intérêt aussi dans l'étude sur les conflits, parce qu'on se rend compte que cette divergence d'opinion, finalement, amène les différentes initiatives à être en désaccord sur certains sujets, notamment sur la maîtrise des ressources, pour défendre différents projets de société, sur le coup. Et donc, cette divergence pose la question de la collaboration, puisqu'en fait, ces initiatives sont rentrées en conflit et ne collaborent plus aujourd'hui. Donc tout ça pour dire, le mouvement des alternatives, oui, c'est un mouvement unifié dans le sens où ils cherchent à créer un nouveau contrat social basé sur l'introduction de nouvelles proximités, mais peuvent diverger, notamment dans la manière dont ils cherchent à redistribuer le pouvoir au sein des différents acteurs du système alimentaire. Et ce qui m'a étonnée, c'est que ce dernier point est peu abordé explicitement dans la question, dans les instances de gouvernance collaborative. Quand je parle d'instances de gouvernance collaborative, je parle de conseils de politique alimentaire tels qu'ils existent en Wallonie et qui est une notion assez récente. Alors, les conseils de politique alimentaire en Wallonie, c'est une notion, cette définition elle a été réalisée il y a quelques mois par la région wallonne suite à une démarche participative avec différents acteurs du système alimentaire. Et ils définissent aujourd'hui les CPA comme des instances, des structures de gouvernance collaborative rassemblant des acteurs d'un même territoire et gravitant autour des différentes dimensions de l'alimentation, en vue d'y soutenir une dynamique de transition vers un système alimentaire durable. En d'autres mots, ce que ça signifie, c'est que les CPA cherchent à mettre autour de la table des acteurs qui ont une lunette différente sur le système alimentaire pour permettre d'avoir une vision systémique et de créer un plan d'action commun visant à faire évoluer le système alimentaire du territoire pour plus de durabilité. Alors, les CPA sont nés, donc oui, quand je parle de Conseil de politique alimentaire, je vais utiliser l'acronyme CPA. Ils sont nés de deux critiques qui sont toujours adressées au système de gouvernance alimentaire tel qu'il fonctionne en Belgique
Un, pour l'instant, elle fonctionne sur un mode de politique sectorielle. Et deux, imposée par le haut. Et ces deux critiques, elles sont adressées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le système alimentaire, ben, on en a parlé, c'est un système qui est complexe et qui nécessite finalement d'être abordé de manière systémique, d'où l'intérêt de mettre tous ces acteurs autour de la table avec des lunettes qui perçoivent une réalité différente du système alimentaire. Et ben, chaque territoire sont différents, et donc partir de l'échelon du territoire pour identifier les besoins et pour les faire remonter du haut, voilà, c'est une... Et donc ces deux ingrédients mis ensemble a amené à l'idée de créer des CPA à l'échelle des territoires. Alors la région est à l'initiative du concept et il y a 2 ans, ils ont lancé un appel à projet permettant donc de financer l'animation de différents CPA en Wallonie. Donc ici ce sont les différents CPA qui sont financés. 4 sont vraiment en cours de concrétisation. Alors, chaque CPA, à ce jour, a une grande liberté pour être constitué comme il le souhaite. L'idée, c'est vraiment de se dire chaque territoire est différent, et donc, comme c'est quelque chose encore très innovant, on va laisser l'opportunité de construire son CPA à son image, ce qui donne aujourd'hui, en fait, des formes de conseils de politique alimentaire diverses. Moi, je m'intéresse principalement au CPA qui est entouré en bleu, qui est le Conseil de politique alimentaire du cœur du Condron. C'est un conseil de politique alimentaire qui couvre 7 communes rurales, localisées au sud de Namur. Et ce conseil de politique alimentaire, il est animé par un groupe d'action locale. Et il faut savoir que je co-anime, en fait, ce CPA, donc d'où la raison pour laquelle je vous en parle. Alors, ce CPA, il a été il y a 1 an, et il a fallu donc 1 année simplement pour structurer le projet et pour réaliser le diagnostic du territoire. Aujourd'hui, le CPA est lancé dans le sens où en juin, 18 acteurs ont été sélectionnés pour constituer le CPA. Et il y a déjà eu 2 rencontres, une en juin, une en septembre. Et à ce jour, une rencontre tous les 2 mois est programmée. Le but de ce CPA, c'est de constituer un plan d'action. Voilà, très original. La démarche pour atteindre et pour créer ce plan d'action suit une démarche relativement standard, je dirais. C'est-à-dire, on part d'une vision, l'alimentation durable. Et à partir de là, l'idée, c'est d'établir un état des lieux, identifier les forces et les faiblesses du territoire, à partir de là, d'identifier les enjeux et surtout les prioriser pour pouvoir établir ce plan d'action. Ce plan d'action pourrait être vu à chaque cycle du CPA, c'est-à-dire tous les 3 ans. Alors aujourd'hui, dans l'animation, dans la coordination du CPA, de manière relativement implicite, en fait, toute la structure... toute la structure d'animation part de la question quelles pratiques faut-il mettre en place pour faire évoluer le système vers plus de durabilité. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que c'est finalement une question qui rassemble beaucoup les acteurs. Tout le monde est globalement d'accord avec toutes les pratiques qui sont identifiées, approvisionner les cantines, travailler sur la logistique, travailler sur les publics, l'accès à l'alimentation au public fragilisé, précarisé, etc. Et le débat se situe plus finalement dans la priorisation de ces enjeux. Et moi, ce que je me questionne, en fait, c'est mais si on prend au niveau de l'animation une autre question de départ, qui serait comment est-ce qu'on redistribue le pouvoir auprès des acteurs du système alimentaire ? Et avec cette question sous-jacente qui structurerait finalement l'animation et qui finalement est un sujet qui fait davantage débat, en tout cas selon mes observations de terrain, qu'est-ce que ça aurait comme impact sur l'élaboration du plan d'action final ? Et donc si je pose, et c'est ma dernière slide, cette question, c'est parce que dans la littérature, à nouveau, sur la littérature de la transformation des systèmes alimentaires, il y a à nouveau une récurrence, c'est l'importance de travailler sur la gouvernance, de mettre en place des structures de gouvernance effectivement collaboratives, participatives, qui viennent du terrain, et l'importance d'inclure les personnes et de pouvoir élaborer une vision systémique. Ça, c'est un petit peu les points qui reviennent.
Et pourtant, la question de l'animation reste peu discutée. Alors que je pense, en tout cas ceux qui ont une expérience d'animation savent à quel point finalement, malgré qu'on souhaite que l'animateur soit neutre, à quel point ça peut quand même orienter les productions finales, la manière dont c'est construit, etc., etc. Et donc c'est là que je viens questionner un petit peu cette animation. Quelles sont les questions de départ qui doivent motiver l'animation et quels résultats ça aurait sur les cadres d'action qui seraient élaborés à partir de ça. Et donc je conclue avec la question qui avait introduit ma présentation, c'est-à-dire la distribution du pouvoir, les conseils de politique alimentaire, sont-ils le lieu pour mettre en débat les divergences d'opinion à ce sujet? Et si oui, en tout cas comment le mettre en place et quels seraient ses impacts? Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? Je pense que ça doit rappeler quelques expériences de certains. Donc, merci beaucoup. Alors, c'est marrant parce que la présentation d'après qu'on va faire, c'est sur les PAT, c'est le côté français des CPA belges. Du coup, j'avais une première question sur, vous parliez de la démarche bottom-up, mais en même temps, vous avez évoqué le fait que ça soit une initiative de la région. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler, c'est une question ouverte, hein, mais de démarche bottom-up si ça vient d'une démarche institutionnelle, même au niveau régional. Ça, c'était ma première question. Et après, ma deuxième, c'était, je trouve ça super intéressant, effectivement, de questionner la distribution de pouvoir dans, avec l'animation et du coup, dans la démarche de gouvernance. Et du coup, ma question, c'était qui sont les acteurs au sein de ce conseil politique? Alors, pour répondre à la première question, oui, c'est une... Je dirais qu'avant tout, c'est une initiative... Enfin, c'est non. L'initiative, à la base, en fait, je pense qu'elle vient de la société civile, dans le sens où la notion de CPA a fortement été poussée par la région liégeoise. Et il faut savoir qu'à Liège, en fait, il y a un gros mouvement, un grand mouvement issu de la société civile qui existe depuis quelques années et qui est à l'origine donc, de la ceinture Terre de Liège, qui essaye finalement de donner une cohérence à toutes les initiatives qui sont mises en place dans cette région. Et là, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y a un maillon qui manque, c'est-à-dire la société civile bouge beaucoup, mais le lien avec le politique est compliqué. Et c'est de là où est née la notion de créer des conseils de politique alimentaire pour faciliter finalement ce lien entre les choses qui émergent finalement du bas pour pouvoir avoir un dialogue plus direct avec le politique. Et puis, effectivement, au niveau de la région, ils ont trouvé que c'était une bonne idée et donc ils ont finalement tiré cette idée pour pouvoir les semer sur différents territoires. Après, comme je le soulignais, il y a une grande liberté laissée aux CPA de réaliser leur conseil de politique alimentaire comme ils le souhaitent. Et on voit des rapports très différents par rapport aux politiques en fonction des conseils de politique alimentaire. Il y en a, c'est un souhait de faire le lien avec les politiques. Il y a d'autres CPA pas du tout, qui ne sont en fait pas du tout en lien avec les communes et qui veulent simplement, c'est plus le cas du conseil de politique alimentaire Cœur du Condreau, où l'idée c'est avant tout de se rassembler pour créer une vision commune et impulser par le bas des initiatives. Donc voilà, il n'y a pas une réponse simple. Mais donc différentes forces qui ont amené à ça. Et la deuxième question, c'est qui fait partie du CPA? On est, en tout cas, à nouveau, ça va être différent d'un endroit à l'autre en Wallonie. Celui que je co-encadre, enfin que je co-anime, c'est avant tout, effectivement, on a voulu sélectionner des personnes qui représentent les quatre dimensions de l'alimentation durable, que sont la santé, environnement, prospérité économique et accessibilité, donc plutôt les représentants sociaux, etc., etc. Et c'est tous des acteurs de terrain. En fait, il n'y a pas de représentants politiques dans cette... c'est des acteurs de terrain qui sont ou des distributeurs ou des agriculteurs ou des acteurs sociaux, etc., etc. Mais ce que je vais quand même un petit peu préciser, c'est que selon moi, ce sont tous des personnes c'est une instance de discussion entre alternatives. On n'est pas dans une confrontation, entre guillemets, conventionnelle alternative, sur le coup, d'où cette question-là.
Oui, j'avais plusieurs questions. La première, c'était est-ce que s'ils ne sont pas le lieu, quel serait le lieu ou quels seraient les lieux? La deuxième question, un peu peut-être en lien avec ça, c'est est-ce qu'il y a peut-être des lieux complémentaires à penser aux alentours ou à l'intérieur, c'est-à-dire de penser les CPA en ayant des espaces avec différents types de modes de discussion ou de confrontation, peut-être avec une réflexion, je dirais presque, enfin sans parler de ritualisation, mais en tout cas de savoir comment on parle les uns avec les autres selon l'espace dans lequel on est et les enjeux qu'on a. Deuxièmement, j'avais du coup une question un peu sur les outils en fait du débat, parce que bon, c'est vrai qu'il y a des cadres théoriques, par exemple sur la rationalité, enfin je pense à Habermas notamment, etc., aux approches systémiques par exemple sur le débat, etc. Je me demande en tout cas, j'ai vu dans les photos qu'il y avait avant, qu'il y a des outils que vous utilisez, enfin ou qui étaient déjà utilisés de toute façon pour créer une vision commune, etc. Je me demande jusqu'à quel point c'est poussé, par exemple, pour avoir un espace pour échanger sur les dimensions, par exemple, à la fois rationnelles et les dimensions émotionnelles des choses, qui sont en fait très importantes. Je ne sais pas comment c'est en Belgique, en fait, mais en France, je pense qu'on a une survalorisation, je dirais, du rationnel par rapport aux émotions, et qu'à un moment donné, les gens qui peuvent quitter... Ça peut être, par exemple, des gens qui ne se sont pas émotionnellement sentus entendus ou qui n'ont pas réussi à trouver leur espace dans le mode d'interaction. Donc, du coup, je me demande si, au-delà de cette question de « est-ce que ce sont le lieu du débat ?», je demanderais plutôt « comment est-ce que ça peut être le lieu du débat ?» Alors, effectivement, en tout cas, pour la question « est-ce que c'est le lieu du débat ?», bon, je vais juste un petit peu préciser que tout ce que j'ai présenté, c'est un peu le résultat de ma phase exploratoire. Et bon, comme je l'ai expliqué à certains d'entre vous dans la salle, moi, j'ai un statut un petit peu particulier. Je travaille à... C'est pertinent pour la réponse à la question, c'est pour ça que je précise, mais je travaille à 4 ans sur ma thèse, ce qui fait que j'ai des financements sur du très long terme. Donc, en fait, je suis à ma 3e année... de ma thèse de doctorat, mais il me reste encore 10 ans devant moi pour la poursuite du projet. Donc, tout ça pour dire que ici, c'est un petit peu les prémices de mon observation, de ce qui a suscité mon questionnement, et qui viennent commencer à préciser mes hypothèses et ce que je voudrais tester. Et je pense que toutes les questions que vous avez abordées ici, c'est la suite. C'est-à-dire, moi, j'ai observé un petit peu tout ce que je vous ai exprimé ici. Ce serait un souhait, ben, effectivement, de voir si on aborde cette question du pouvoir, j'aimerais le tester. En fait, c'est dans une approche de pouvoir créer un atelier d'animation, de voir qu'est-ce que ça pourrait donner, est-ce qu'il faut aborder la question de manière explicite ou pas, etc. Donc là, il y a encore toute une série d'expérimentations à faire pour répondre un peu à cette question où, comment faire, alors, si c'est le lieu. Et en tout cas, pour répondre à la question du lieu, moi, ce que j'ai observé, donc, quand j'ai parlé des tensions entre les différents acteurs, j'ai assisté à des réunions où, en fait, ces acteurs, par exemple, voulaient tous les deux faire des filières de céréales. Ils se sont dit, on va travailler ensemble, on travaille sur des territoires similaires, etc. Et voilà, des conflits autour des ressources ont amené que finalement, ils se sont dit, non, on va juste travailler notre côté et basta. Et voilà. Ce lieu-là, pour vraiment parler de leur vision, de ce qu'ils défendent, etc., etc., n'a pas eu cet espace, n'a pas été abordé quand c'est des discussions très à chaud, de manière informelle, et qui n'est pas accompagnée à l'aide d'une médiation, en fait. Et c'est pour ça que je me demande, est-ce qu'il ne faut pas davantage encadrer ce débat, d'où le fait d'utiliser des instances de gouvernance collaborative qui sont animées, en fait, et de pouvoir utiliser cette animation pour cadrer ça. Après, quand je dis aborder cette question-là, je ne pense pas qu'il faut l'aborder de manière explicite, mais en tout cas que ce soit un cadre en arrière-pensée pour analyser ce qui se passe. Ça répond à vos questions ? Merci. Je comprends pourquoi je vois les Belges comme le peuple élu en permanence. Ça me rassure parce que je suis pas d'accord avec ce qu'a dit la dame. Pour moi, c'est pas du tout les PAT de chez nous. Hein. Par contre, nous, nos PAT sont ultra descendants, n'y participent que
les personnes qui ont le droit d'y participer, et la société civile en est complètement exclue, enfin, en tout cas vers chez nous, peut-être ailleurs, ça se passe mieux. Du coup, moi j'aurais vraiment envie de vous inviter, en tout cas, à amener vraiment la controverse à l'intérieur de tout ça, et justement de sortir que d'acteurs d'alternatives et d'y faire rentrer tout plein de gens, et pas forcément de rentrer dans un débat binaire chimique alternatif, quoi, mais de faire rentrer tous les acteurs qui ne sont pas forcément militants de l'alimentation. Et du coup, d'avoir un peu de refaire un débat de société autour de ça. Et du coup, ma grande question, est-ce qu'on pourrait venir vous rencontrer et faire un échange entre nos conseils de l'alimentation qu'on est en train de faire et vos conseils de politique alimentaire? Parce que je pense qu'on aurait beaucoup de choses à apprendre de votre façon de faire. Et si que vous répondiez oui ou non, on en reparlera. Mais sur cette question de comment on redistribue les pouvoirs, derrière, est-ce qu'il y a des moyens économiques derrière qui sont posés si jamais il y a des envies de démarrer et comment ça pourrait se passer? Alors pour la première question, moi je vous conseillerais juste quand même d'attendre un petit peu avant de venir visiter, dans le sens où je pense qu'aujourd'hui la Belgique reste vraiment dans ses prémices, donc il n'y a pas encore quelque chose, voilà, c'est encore très foisonnant, enfin, comme je disais, il y a 3-4 CPA qui commencent véritablement à devenir concret. Donc si vous venez dans un an, à mon avis, il y aura un peu plus de choses à voir. Ça, c'est une première chose. Et pour aller dans ce sens-là, en fait, j'avais pas mal... j'avais rencontré déjà une Française qui, elle, travaillait sur... c'était pas tout à fait le PAT, mais à Bordeaux, il y a je sais plus, quelque chose qui se passe aussi de cet ordre-là. Et en fait, la principale divergence qu'on avait observée entre les modèles français et les modèles belges, c'est que la porte d'entrée en Belgique, contrairement à la France qui rentre plus tôt dans une porte d'entrée par le projet, en Belgique, on a plutôt une porte d'entrée par la gouvernance. Donc l'objectif, avant tout, c'est de mettre les gens en lien, etc. Et puis, le projet va découler de ça. Mais ce n'est pas la porte d'entrée principale. Donc ça, c'était un petit peu... voilà. C'est des instances voilà, collaboratives et participatives, mais avec un point d'entrée effectivement différent. Après, qu'est-ce qui est mieux ou pas, je ne sais pas. Hein, peut-être que oui, on sera très contents, on se sera parlé, tout ça, mais qu'il n'y a aucun projet qui va émerger. Ça, c'est le risque aussi. Et alors, sur la question du pouvoir, donc oui, est-ce qu'il y a des moyens après, concrètement, pour mettre ça en place? Moi, je pense déjà, en fait, ce que j'ai beaucoup observé, c'est qu'il y a vraiment une tension sur les moyens, en fonction de la catégorie d'acteurs qu'on veut renforcer, il y a des divergences en termes de stratégie. On va penser à la logique des communs, à la logique de l'économie de marché ou à la logique du subside et du soutien politique. Et rien que ça, effectivement, par exemple, la cristallisation du débat autour d'un moulin, du blé, par exemple, c'était ça le gros point de divergence. C'est, non, il faut créer un moulin qui est autonome financièrement, sinon on crée des filières qui sont dépendantes. Et c'est problématique. Nous, on veut défendre l'autonomie, finalement, des acteurs à la base, et notamment l'autonomie financière. Et puis d'autres étaient là, non, c'est le rôle des politiques, finalement, de venir en soutien et de financer pour la collectivité et pour la société civile ce moulin. Donc, où est le problème? Et donc rien que là, déjà de se mettre d'accord peut-être sur les logiques qui pourraient finalement porter ça, serait déjà quelque chose de bien. Donc les moyens, je ne sais pas s'ils seront présents, mais en tout cas, se mettre d'accord sur les mécanismes, ça peut déjà être quelque chose de pertinent. Merci pour votre présentation. Moi, j'avais une petite question sur ce qui m'interroge, c'est le caractère alternatif. Je comprends bien l'idée. Vous avez parlé aussi d'un processus de sélection aussi, je crois, des membres, des CPA. Donc voilà, j'aimerais que peut-être clarifier. Voilà, toujours un peu embêté avec dire qu'est-ce qui est alternatif. Oui, enfin, tout à fait. Voilà. À nouveau, je ne parle que pour le Conseil de politique alimentaire du cœur du Condro. Je pense que les modalités de sélection vont être différentes d'un CPA à un autre. La manière dont ça s'est passé ici, c'est que le groupe d'action locale a en fait beaucoup parlé du CPA, de l'objectif, en mettant bien en évidence que l'objectif, c'était de poursuivre un projet d'alimentation durable. Et à partir de là, ils ont laissé n'importe qui se porter volontaire pour pouvoir intégrer le CPA. Et donc, dans le cas présent, il y a eu... je pense une trentaine de personnes qui ont souhaité l'intégrer et 18 personnes ont été sélectionnées avec ce souci de vouloir avoir un échantillon selon les définitions du groupe d'action locale représentatif du système alimentaire.
Après, c'est posé toute la question parce que ça n'avait pas été clair quelles allaient être finalement les modalités, enfin la validation de cette sélection des membres, et notamment au niveau des communes. Il y a eu des tensions à ce niveau-là parce qu'il y a eu un flou. Donc à l'avenir, je pense qu'au fur et à mesure des expériences, les modalités de sélection vont s'ajuster et s'affiner. Mais voilà, comme ça répond à votre question de comment ça s'est passé. Et je pense que c'est alternatif dans le sens où c'est avant tout les personnes motivées pour transformer le système alimentaire vers plus de durabilité qui se sont portées volontaires, tout simplement. Et donc on rentre finalement, je ne vais pas dire dans un entre-soi, mais un peu quand même. Donc une question des internautes. Alors, sur le chat, Hélène nous dit « Bonjour, merci pour la présentation très intéressante. Quelles seraient les prochaines étapes de recherche de votre thèse ? Merci par avance. » Alors, je peux répondre de manière très claire parce que c'est enfin très clair pour moi. Donc en fait, ici, ce que je vous ai montré, c'est un peu les trois chapitres de ma thèse. La première partie, c'est la tension entre transformation et transition au niveau de la sémantique, au niveau de la littérature. Donc l'idée, c'est de venir vraiment de manière plus rigoureuse, valider ou invalider mon hypothèse que c'est que la tension se situe au niveau de la distribution du pouvoir, en tout cas qui peut partiellement expliquer cette tension-là. Donc ça, c'est ce que je compte faire cette année. C'est très précis au niveau de l'agenda. Les deux années après, c'est vraiment de faire des interviews pour mieux comprendre cette divergence d'opinions concernant la distribution du pouvoir parmi les alternatives. Et le troisième point, c'est venir effectivement tester cette question de comment, au sein des conseils de politique alimentaire, amener l'animation, enfin créer une animation qui permettrait finalement de voir le résultat que cette approche pourrait donner sur les conclusions d'un conseil de politique alimentaire. Merci. On peut l'applaudir. Merci. Nous allons passer à la dernière communication académique présentée par Cyril et Sophie et qui a été aussi et Dorian Philippot. Alors les trois vont être présentes et vous allez nous parler de PAT à nouveau. De ce que j'ai compris, votre titre a changé, alors on est curieux de connaître le titre final. Voilà, donc le titre final, le PAT, la place des enjeux et acteurs sociaux dans un projet de démocratie alimentaire, donc une communication académique, mais pas que. Hein. On essaie toujours d'éloigner, on va dire, les chercheurs des acteurs. Les chercheurs sont des acteurs et inversement, je crois que c'est important. Et donc une communication à plusieurs voix avec Sophie, mais également Dorian de la DRAF. Donc autour de la place donc des enjeux et des acteurs sociaux dans ces fameux PAT. Donc voilà, classiquement, on va revenir rapidement sur les intérêts de la recherche et un petit peu quelques éléments de contexte. On a déjà vu pas mal de choses pendant ces deux journées. Ensuite, repréciser un petit peu les notions pour nous centrales dans le cadre de ce travail qui a aussi une dimension exploratoire et comparative, hein, vous allez le voir. Et puis évoquer donc les résultats en cours autour de différentes dynamiques. Hein. Donc on est aussi nous sur la question du comment ces démocraties alimentaires locales s'organisent. Vous savez qu'il y a un grand nombre de PAT en France et aussi un grand nombre de variétés de PAT. Voilà, on pourra conclure ensuite sur les premiers éléments de résultats. Donc, on l'a évoqué aujourd'hui, hein, peut-être redire aussi quelques éléments de notre contexte. C'est jamais évident. Voilà, alors, quand on est sur la question sociale, on n'est pas que sur la question de la précarité alimentaire ou de l'insécurité alimentaire. Mais je trouve important de partir de là. Dernièrement, le directeur du Secours populaire hein, qui nous rappelait et la précarité alimentaire, on le voit, c'est quelque chose qui maintenant presque s'impose à nous et qui devient visible
Alors que c'est des phénomènes quand même qui ont tendance à être un petit peu invisibilisés. Les chiffres sont difficiles à trouver, les chiffres stables et objectifs, mais vous voyez, voilà, autour de 8 millions donc de bénéficiaires de l'aide alimentaire, chiffres en hausse importante, voilà, si on compare par rapport à l'avant confinement. Et effectivement, ça ne dit qu'une partie du problème, puisque vous connaissez aussi toutes les problématiques de non-recours. On l'a évoqué aussi aujourd'hui. Voilà, aller demander de l'aide, c'est pas simple, mais aller demander de l'aide sur les questions alimentaires, ça pose encore d'autres questions aux personnes qui font cette démarche, voilà, d'un point de vue dignité. Donc voilà, c'était important de redire ça. Et de dire aussi que ce qui apparaît en tout cas comme des évidences aujourd'hui, c'est que cette avancée au niveau de la démocratie alimentaire, elle sera possible que si eh bien, on appréhende effectivement la question de manière systémique et globale. On est plutôt d'accord à dire ça. On l'a évoqué également, les notions de gouvernance et aussi de transparence. Donc, de dire que voilà, ces questions pourront avancer que si eh bien, on est dans quelque chose de collectif et de partagé. Et puis aussi, l'idée de dire, ça on le retrouve un petit peu à la fois dans le discours du directeur du Secours Populaire, mais aussi dans nos différents documents cadres, qu'il y a une nécessité de rapprocher les acteurs et de développer les partenariats. Donc à ce titre-là, les PAT que vous connaissez tous apparaissent aussi justement comme un des lieux propices pour ce faire. Et alors, bon, c'est éternel débat entre voilà, démarches descendantes ou ascendantes. En tout cas, il y a un appel quand même. On voit bien que, on parlait de politique alimentaire, les choses, l'État, la place de l'État aujourd'hui évolue. Il y a une forme de reconfiguration, de repositionnement de l'État qui va aujourd'hui, à travers les PAT, appeler les territoires à s'organiser eux-mêmes. La brique de base aujourd'hui, c'est bien le territoire. On ne dit rien du périmètre d'ailleurs de ce territoire. Est-ce qu'il est lié à une collectivité en particulier ou pas? Ou au contraire un bassin de vie. Donc en tout cas, cette notion de territoire, elle est centrale. Et puis également celle des partenariats. Et voilà, il y a un appel à travers ces PAT. C'est pour ça que je posais la question de la sélection des membres des CPA en Belgique. Là, en France, dans les textes, vous retrouvez l'idée que tous les enjeux doivent être représentés au sein des PAT. Et du coup, tous les acteurs y ont leur place. Voilà. Alors, vous savez qu'on a beau appeler tout le monde à participer, on ne trouvera pas autour de la table forcément tous les acteurs. Mais en tout cas, voilà, on peut penser, en tout cas, et c'est là l'intérêt de la recherche, que c'est un lieu dans lequel peut émerger des formes de démocratie alimentaire. Voilà. Donc, pour en arriver à notre question, comment donc sont appréhendés ces enjeux sociaux au sein des PAT et quelles formes d'implication et de participation sont possibles? Je vais juste essayer un petit point technique pour vous mettre l'écran en grand parce que je me dis que vous allez vous faire mal aux yeux. Voilà. Super. Du coup, juste un petit point ici de cadrage théorique. Donc, sans surprise, pour notre étude, on s'est appuyé sur la notion de démocratie alimentaire qui a déjà été largement définie et qui est plus qu'une notion. C'est une approche, c'est un courant à la fois de recherche et d'action. Dans l'ensemble des travaux qui se sont développés autour de la démocratie alimentaire et des initiatives, ce qui nous intéressait ici, c'était de mettre en avant cette idée d'une vision critique du système alimentaire actuel, notamment du système dominant, une critique de cette concentration du pouvoir qui a donc été évoquée dans la présentation précédente. Et du coup, cette volonté de pouvoir transformer les systèmes alimentaires vers des systèmes durables avec l'implication de l'ensemble des acteurs qui sont concernés par ce système alimentaire, et notamment avec cette volonté d'émancipation qui a aussi été évoquée dans la présentation précédente, et d'émancipation des acteurs qui sont les plus marginalisés au sein du système actuel. Donc ici, avec cette idée d'une vision collective, ce qu'on constate dans les travaux qui se sont développés, c'est que ces démarches de démocratie alimentaire, elles, comme on l'a déjà discuté, elles émanent souvent de dynamiques collectives locales, de bottom-up et à la fois locales.
Et du coup, ici, comme l'a évoqué Cyril précédemment, l'idée, c'était de regarder ici les PAT comme lieu potentiel pour pouvoir organiser l'action collective qui se met en place au niveau du territoire, ici, et organiser, entre guillemets, on met des guillemets ici, c'est le titre de la conférence, mais organiser la démocratie alimentaire. Quand on regarde les PAT, on s'aperçoit qu'on a déjà un certain nombre de travaux qui sont liés à ces PAT, des travaux qui sont liés à la gouvernance alimentaire territoriale en France, et qui est donc cette idée de mettre en place des gouvernances partagées qui puissent impliquer l'ensemble des acteurs du système alimentaire, mais aussi les politiques, avec cette conversation du coup avec les politiques, avec des experts, des experts territoriaux ou avec des universitaires. On a aussi un rapprochement avec un phénomène qui était au départ plutôt d'Amérique du Nord et qui se développe en Europe, qui sont les Food Policy Council. Et on le voit avec certains rapprochements avec ce qui peut se faire en Belgique, avec des rapprochements avec ce qui se fait en Allemagne ou en Suisse, dans nos pays voisins, avec à chaque fois cette idée de mettre en place cette gouvernance partagée au niveau local, cette volonté d'impliquer les différentes parties prenantes dans les politiques et stratégies alimentaires du territoire, et de le faire à travers des processus démocratiques, qui sont des processus démocratiques différents. Au sein même des PAT, on a des dynamiques différentes. C'est pour ça que Yuna Shifola l'avait présenté en introduction comme étant une démarche top-down, parce qu'effectivement, on a une labellisation, et on a aujourd'hui une institutionnalisation avec un encouragement du ministère de mettre en place des PAT. Mais quand on regarde de plus près ces PAT, on a un certain nombre de PAT, dont certains dans cette région, qui ont démarré par des démarches bottom-up, par des démarches d'acteurs du territoire, avec potentiellement des collectivités, qui se sont ensuite emparées de cet outil institutionnel pour pouvoir légitimer leur démarche et bien évidemment avoir aussi des ressources. Mais voilà, l'idée, c'est aussi de nuancer, parce qu'on a une grande diversité de PAT dans leur dynamique, de comment ces PAT ont pu émerger, de leur dynamique de démocratie, au même titre qu'en Europe, quand on compare ces différentes démarches, elles ont cette même volonté d'implication des différentes parties prenantes à travers des processus démocratiques, mais qui sont différents. Au-delà de ces différences, des constats qu'on retrouve et qui sont finalement des défis qu'on retrouve plus globalement dans les défis de la démocratie alimentaire, c'est cette capacité d'inclusion et d'implication de toutes les parties prenantes, et ici surtout des acteurs qui sont définis comme étant soit marginaux, soit les moins visibles. Et ce n'est pas spécifique au cas français. Ici, je vous ai mis en exemple une étude sur un Ehrenrundstrat, sur un Food Policy Council allemand, qui évoque ici, donc cet auteur évoque dans le cas de ce Food Policy Council, les difficultés d'implication des plus vulnérables, marginalisés sur les deux opposés du système, enfin les deux maillons opposés du système alimentaire, d'un côté des citoyens plus vulnérables et de l'autre côté des agriculteurs qui ont aussi moins de pouvoir. Un deuxième défi qui nous semblait important par rapport à l'étude qu'on mène ici, c'est la qualité du processus de délibération. Donc pour revenir à ce qui avait été évoqué dans l'introduction de Yuna Shifolo, effectivement, participer ne suffit pas, mais la qualité de la participation est derrière la qualité du processus de délibération, de prise de décision derrière, est aussi extrêmement important. Et ici, je vous ai mis l'exemple d'un PAT sur Tours avec l'étude de Serrano et ses collègues, qui montre effectivement les difficultés dans ce processus de délibération, la difficulté à aller sur des débats qui sont des débats des tabous, sur est-ce qu'on fait que du bio, qu'est-ce que c'est que le local, les délimitations du territoire, et finalement des choses qu'on va retrouver dans un certain nombre de ces PAT ou Food Policy Council au niveau européen. Donc nous, on avait envie de reposer ces questions, de s'intéresser à ces questions en se focalisant sur l'implication des acteurs de la société civile et des citoyens eux-mêmes. Et pour ça, en fait, on s'est emparé d'un cadre de lecture qui est sur les processus démocratiques et qui est lié à des études qui ont été faites sur les processus démocratiques par rapport au système alimentaire, à travers l'utilisation de quatre critères que l'on va
que l'on va reprendre pour pouvoir regarder cette implication de la société civile, à savoir la représentation ici, c'est-à-dire l'inclusion des citoyens et des acteurs de la société civile au sein des PAT, mais aussi au sein de la gouvernance de ces PAT, la participation, à savoir la possibilité formelle et réelle des citoyens et des acteurs de la société civile à être impliqués, à participer aux actions et à la gouvernance de ce PAT. Et puis, cette délibération, donc la qualité à la fois du processus de décision et la place des citoyens de la société civile dans le processus de décision, et aussi de communication transparente sur les procédés qui sont mis en place. Et puis, finalité, formalisation, ici on est sur l'intégration, puisqu'on est sur les enjeux sociaux, du volet social au sein des politiques publiques et des processus politiques du territoire. Voilà, donc on a utilisé ces quatre critères pour faire une étude comparative sur quatre PAT qu'on a gardé anonymes pour le moment pour cette étude. Voilà, donc vous retrouvez les caractéristiques majeures des quatre cas évoqués donc en Grand Est. Alors c'est toujours compliqué, hein, on l'a vu déjà dans d'autres communications, de définir le moment où le PAT commence, rien que quand on se penche sur la question de la date, puisque comme le disait Sophie, on a parfois sur les territoires des dynamiques qui sont déjà à l'œuvre et qui vont se retrouver dans le cadre d'un PAT, officialisé à un moment donné avec une labellisation. Donc vous voyez que dans nos quatre cas, on en a deux qui sont portés par des EPCI, les 3 et 4, qui sont sur des territoires très, très urbains avec des populations importantes. Le cas numéro 1 qui est porté par un conseil départemental, c'est quand même quelque chose d'assez rare, je crois, dans les PAT. Une population aussi relativement importante sur ce périmètre, forcément. Et puis un autre cas porté par un PETR, un pôle économique territorial rural, un pôle d'équilibre, voilà, c'est ça, territorial et rural, voilà, qui regroupe, lui, trois EPCI, donc qui, lui, est au stade 1 de reconnaissance des PAT. Donc, grosso modo, ce que vous apercevez, c'est qu'il y a des dates de création qui divergent de quelques années, mais vous voyez au niveau des membres qu'on a globalement très présents forcément des collectivités, l'État, des acteurs économiques et également du champ de l'économie sociale et solidaire, et puis des acteurs du champ de la recherche aussi. Ça, je trouve que c'est aussi intéressant, la place des chercheurs dans ces endroits-là. Voilà. Et également les principaux objectifs qu'on retrouve cités dans les documents de cadrage. Donc on retrouve dans ceux-ci, dans tous les cas, la question de la justice sociale et de l'accessibilité. Et puis un ensemble, on va dire, d'objectifs généraux qui vont de développer l'emploi et l'activité économique sur les territoires. Bien entendu, les considérations pour l'environnement et l'écologie. Voilà, et après quelques points de distinction, vous le voyez pour le cas numéro 1, la question de la logistique est quelque chose de prioritaire dans le PAT, et puis on va retrouver quelque chose aussi dont on a parlé aujourd'hui, la dimension de sensibilisation, de communication ou d'éducation, voilà, auprès des publics notamment voilà, scolaires, plus jeunes ou voire grand public. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi peut-être en termes de posture, voilà, dire que en ce qui concerne les cas 3 et 4, avec Sophie, on est, nous, des chercheurs qui avons suivi les dynamiques de manière, on va dire, relativement longue depuis plusieurs années. Donc on a pu participer à certaines instances, donc on a un matériau qui est relativement riche. Par contre, les cas numéro 1 et 2... sont vraiment des PAT qui nous permettent de mettre en perspective aussi un certain nombre de modalités et une forme de première typologie, et là Dorian notamment pourra apporter des éclairages sur ces deux PAT.
Du coup, en fait, on a démarré par une comparaison des cas 3 et 4 pour la raison que c'est des PAT qui sont décrits, entre guillemets, comme étant des PAT emblématiques, au moins sur le territoire Grand Est, qui ont obtenu leur labellisation de niveau 2, donc qui sont relativement matures, et puis qui ont des ressemblances par rapport au, voilà, à la, aux problématiques, au fait qu'on a ici des métropoles, et puis par rapport à leurs caractéristiques. En fait, quand on regarde les deux PAT à l'instant T aujourd'hui, on a des fortes similitudes en termes de gouvernance, de par la structure. On va avoir un portage qui est fait par la collectivité, par la métropole notamment. Et puis derrière, la mise en place soit d'un comité technique, soit d'un comité partenarial avec différents acteurs qui sont là pour représenter effectivement les différents acteurs du système alimentaire. Et puis une fameuse équipe de coordination dans chacun des PAT pour essayer de pouvoir ici aller dans cette phase d'action dans laquelle ils sont rentrés depuis peu. Au-delà de... Une autre ressemblance qui est quand même primordiale ici par rapport à notre sujet, c'est que dans les deux PAT, on a une représentation indirecte de la société civile, qui se fait dans le cas 3 à travers la ville et le service santé et service de l'action sociale de la ville, et dans le 4 qui se fait à travers la banque alimentaire, la chambre régionale ESS et la chambre de consommation d'Alsace, qui sont donc dans les fameux comités techniques ou partenariales. On a une différence cependant par contre sur le mode, les modalités de participation de la société civile. Dans le cas 3, en fait, ce qu'il caractérise, c'est ici l'implication des porteurs de projets. Donc les porteurs de projets, ça sera toutes les démarches qu'on a sur le territoire qui sont en lien avec cette mise en place d'initiatives alimentaires alternatives, des jardins d'insertion. Et puis des épiceries solidaires, etc. Donc, en fait, ce qui a caractérisé ici dans la phase de construction du PAT, de définition de sa vision, de ses objectifs stratégiques et opérationnels, c'était une très forte implication de ces porteurs de projets au cours des plénières. Donc, une volonté ici d'avoir vraiment une démarche de co-construction. Et derrière, par contre, une démarche beaucoup moins directe avec les citoyens. En dehors d'une plénière, les citoyens ne sont pas directement impliqués. On peut de liens directs avec le PAT. Donc on se concentre vraiment ici sur l'implication des porteurs de projets qui ont notamment des porteurs de projets sociaux. Dans le cas 4, ce qui caractérise aujourd'hui ce PAT, c'est qu'on a les porteurs de projets ont eu... ont moins été impliqués dans la phase de construction de la vision, des objectifs, etc. Mais derrière, par contre, on a une volonté davantage de consultation et d'implication des citoyens. Où, par exemple, un événement a eu lieu dernièrement qui était organisé par les porteurs de projets. Chaque porteur de projet était responsable de mettre en place sa propre animation, son propre atelier, etc. Et au cours de ce grand événement du PAT, on a eu une très large consultation des citoyens, mais qui n'était pas uniquement sur leurs habitudes alimentaires, qui était plutôt pour leur parler du PAT, de ce que faisait le PAT, de ses objectifs, et d'avoir leur opinion, d'avoir leur retour qualitatif sur les différents objectifs du PAT en vue de prioriser les actions pour 2023. Et derrière, on a une ambition supérieure de ce PAT, enfin supérieure, on n'est pas dans la comparaison, mais une ambition poussée de ce PAT qui est de vouloir impliquer des citoyens dans des groupes de travail. Donc la mise en place des groupes de travail sur chacune des actions et que les citoyens soient libres de participer à ces groupes de travail s'ils le souhaitent. Donc ça, c'est le projet qui est à venir pour 2023. Si on regarde ces deux PAT en synthèse, ce qui nous semblait assez marquant, c'est qu'on a des très fortes similitudes sur les ambitions et sur leurs activités actuelles. Donc on est passé à cette phase d'action. Et ici, les deux PAT ont pour ambition de dépasser le soutien uniquement le support à des initiatives alternatives, mais vraiment de créer de la cohérence et de créer des projets qui soient des projets du PAT pour avoir vraiment cette idée de transversalité et de cohérence entre les projets du territoire. Ce qui nous a marqué également, c'était les différences dans les trajectoires pour parvenir à leur démarche de démocratie alimentaire qui peut se discuter. Le cas 4, ce qui nous semblait intéressant, c'était une complète remise en question de leur démarche qui a eu lieu entre 2020 et 2022, où en fait ils ont démarré en étant labellisés PAT, mais en ayant
des actions directement, une action sur l'agriculture et l'agriculture biologique, une autre action qui était une action sociale envers les quartiers prioritaires, mais finalement sans aucune implication des différents acteurs du territoire. Et du coup, une démarche qui était très centralisée sur les collectivités. Et il y a eu une remise en question en 2020 où, pour avoir de la cohérence, pour créer de la synergie entre les initiatives des acteurs qui sont déjà présents, ils ont revisité, ils ont revu, remis en cause leur propre gouvernance et créé ce comité partenarial et cette volonté d'implication aussi des citoyens et des différents partenaires dans la gouvernance du PAT. Le cas 3, ce qui nous semblait très intéressant, c'est qu'il est souvent décrit, et notamment par la DRAF, comme étant un PAT exemplaire sur sa gouvernance, où depuis le début, il y a une forte volonté d'impliquer les différentes parties prenantes ici. Et ça a donné un temps long pour pouvoir définir la stratégie, pour pouvoir définir les objectifs à travers plusieurs plénières et beaucoup d'allers-retours. Mais ça donne aussi un temps long d'action. Et derrière des enjeux ici de maintenir la motivation de l'ensemble des acteurs. Donc ici, des forces et des enjeux différents vis-à-vis de la société civile, implication forte des porteurs de projets dans le processus de construction dans le cas 3 versus des citoyens dans le cas 4. Le choix pour le cas 3 d'un dialogue plus en profondeur entre les acteurs de l'enjeu d'accessibilité. Je ne l'ai pas mentionné ici, mais il y a depuis récemment un axe qui est uniquement sur l'accessibilité, où l'objectif c'est de faire rencontrer différents porteurs de cet enjeu d'accessibilité pour qu'ils puissent dialoguer, partager leurs expériences et pourquoi pas dans le futur également concevoir des projets ensemble. Alors que dans le cas 4, on va peut-être aller moins dans ce dialogue plus en profondeur entre les acteurs des enjeux sociaux, mais davantage à travers la mise en place des nouveaux groupes de travail sur une action qui est transversale et de dialogue, ce qu'on appelle entre les différents mondes, de certains qui sont davantage des représentants agricoles et d'autres des consommateurs par exemple. Donc voilà. Et on voulait ensuite vous présenter nos deux cas contrastés avec les vignettes. Merci, bonjour à tous. Merci en tout cas Cyril et Sophie pour avoir un peu essayé de consulter la DRAF justement, parce que nous on essaye de suivre, d'accompagner au mieux justement les différents PAT sur le territoire, et en fait on remarque qu'il n'y en a aucun qui est identique, et c'est un peu l'idée de compléter ces deux exemples par des PAT qui se distinguent un peu. Et là, on n'est qu'à l'échelle de la région du Grand Est. Il faut savoir qu'à l'échelle de la région, de la métropole de la France, c'est encore plus compliqué. Et là, en fait, j'avais tout de suite pensé du coup à un premier PAT qui est donc porté par un conseil départemental, pas sur l'ensemble du département, et qui en fait se distingue parce que c'est plus un consortium de plusieurs dynamiques, chaque dynamique étant portée par un EPCI en fait sur le territoire ou un pays. Et donc là, en fait, cette structuration a permis à une dynamique de territoire, donc là, pour le coup, qui avait été initiée par ATD Carmonde, donc là, Magali, on saurait en dire beaucoup plus que moi, et en fait, cette construction un peu avec donc des publics, justement, qui étaient concernés par des difficultés d'accès à l'alimentation, etc., avec aussi une approche vraiment multipartenariale, puis finalement transversale sur un axe qui peut être perçu comme non transversal au sein du PNA, parce que finalement c'est un des axes du PNA et de l'alimentation, c'est la justice sociale. Et donc voilà, ça a permis en fait de faire évoluer vraiment cette action. Je pense que je vais aller assez vite, l'idée c'est qu'au fur et à mesure, finalement, ATD Carmonde a initié ce travail, a apporté une base méthodologique, quelque chose aussi, du coup, une implication de ces acteurs-là au sein d'un même projet. Et aujourd'hui, tout ça, ça se traduit comme un peu le projet phare du PAT, dans lequel il y a, même si ATD Carmonde a peut-être pris des distances et que le projet s'est un peu institutionnalisé, aujourd'hui on voit que finalement ces acteurs-là sont toujours présents, ces personnes sont toujours présentes et mènent des actions, donc tant sur un côté représentation, donc on peut appeler ça en fait des activités autour des mots. Donc il y a eu notamment une pièce de théâtre qui a été mise en place, jouée par ces mêmes personnes qui peuvent du coup être... qui sont considérés et qui sont en fait des personnes qui ont ces difficultés vis-à-vis de l'alimentation et qui vont du coup apporter finalement aux autres, à des personnes qui ne seraient peut-être pas en difficulté, justement ces sujets-là. Il y a aussi du coup après des activités plus concrètes, notamment du coup monter avec ces personnes-là sur des groupements donc, d'acheteurs, ça s'appelle en plate et cagette,
peut-être j'aurais pas dû citer le nom d'ailleurs, et qui en fait permet justement de se réunir et d'être acteur, peut-être pas sous la dimension consommateur, mais plutôt acteur de, des choix qu'on peut faire et de comment on peut s'organiser nous-mêmes pour essayer de surmonter un peu ces, cette situation dans laquelle on a, qui nous a été un peu imposée, quoi. Et voilà, il y a aussi ce, ce côté de changement de terminologie entre voilà, adhérent vs précarité bénéficiaire. C'est quelque chose qui est assez important dans, dans ce projet. Et la vignette 2 qu'on, ouais, sur laquelle on avait envie de faire un peu un parallèle, c'est pour le coup un PAT qui va ressembler aux deux exemples qu'on a présentés avant, qui va être assez transversal au départ, qui va être porté bon, du coup, par un PETR, mais bon, c'est quand même plus proche que des EPCI que le département. Et du coup, l'idée, c'est que là, il y avait aussi cette volonté de s'intéresser vraiment davantage à cet axe donc justice sociale, implication des publics. Et en fait, là, il se trouve qu'on est sur... à la base, tout ça, ça émerge d'un groupe de travail éducation. Donc, en fait, on avait directement cette approche éducation. On va essayer d'apporter, d'approcher ces publics. Et en fait, on, ils remarquent vraiment que c'est pas si simple. Et donc, il y a toute cette réflexion en cours actuellement de se dire quel partenariat faire, comment agir pour essayer d'impliquer... Enfin, que ces personnes s'impliquent aussi par elles-mêmes, qu'elles aient les possibilités de le faire. Et donc là, pour le coup, c'est justement pas le projet phare du PAT. C'est quelque chose dans le... qu'ils essayent de monter dans le fond et qui est très complexe. Donc nous, on essaye d'accompagner aussi la DRAF, mettre un peu d'argent aussi sur ces projets assez spécifiques. Mais voilà, on voit que c'est pas si simple. Et c'est vrai que ça nous intéressait effectivement ici ce, ce retour en arrière, de se rendre compte qu'effectivement, ils avaient une vision qui était beaucoup trop sur de l'éducation plutôt que sur de l'implication. Voilà, pour terminer en quelques minutes, je ne sais pas où on en est, mais en tout cas, c'est vrai que, voilà, au-delà de la forme PAT, qui peut sembler quelque chose d'un cadre stable et standard, je crois que ce que ça donne à voir, c'est effectivement que chaque PAT est, révèle une histoire et aussi des dynamiques sur les territoires entre, le, entre les acteurs qui sont préexistantes ou qui se construisent pendant, le, pendant la démarche même de PAT. Et on voit effectivement, comme on l'a dit, s'opposer... Alors c'est très caricatural, mais voilà, des démarches qui seraient globales et qui d'emblée se veulent transversales, donc de démocratie alimentaire, mais au risque d'avoir des projets qui se développent sur des temps longs. Et ça, on sait que la question des temporalités, elle est centrale. Hein, pour les acteurs, et notamment les animateurs ou les pilotes de ces PAT, on a parlé aussi de l'approche des proximités ce matin, et eh bien la question temporelle aussi elle est centrale hein, puisqu'il va falloir jongler entre voilà, les différentes temporalités des acteurs, entre un porteur de projet qui est pris à la gorge avec des dettes et puis ou un modèle économique qui n'est pas stable et puis le temps du politique ou d'acteurs on va dire voilà, publics. On est vraiment avec des temporalités différentes. Donc une première démarche de ce type là et une autre qui serait centrée d'emblée sur des axes prioritaires à partir des problématiques même du territoire qui ont été repérées au niveau de la phase diagnostique voilà, avec le PAT que Dorian a évoqué. Donc voilà, ça c'est quelque chose, on va dire, un petit peu qui polarise, on va dire, un petit peu ces PAT. Le premier hein, dont je parlais, démarche globale, transversale, qui vraiment est plus en adéquation avec ces notions de système alimentaire alternatif ou durable. Voilà, donc ce que je peux dire là par rapport à ces éléments-là. Et puis aussi peut-être par rapport aux questions d'évaluation dont on a discuté, hein, et je parlais tout à l'heure de la place du chercheur, je crois qu'il y a un vrai intérêt aussi, à, au-delà de mesurer les la performance de ces PAT aussi, d'être en capacité de documenter aussi les processus justement de ces projets alimentaires territoriaux, la manière aussi dont les choses se structurent, évoluent. Hein, on voit que les PAT ne sont pas avec des principes fixes desquels ils ne dérogeraient pas, mais les choses sont vraiment en train de se construire et une forme de démocratie locale qui s'institue même pendant le projet alimentaire territorial même. Voilà, donc pour conclure, on a évoqué, c'était Melaine hier, la démocratie des post-it. Voilà, alors on peut-être juste aussi redire hein, que les notions de participation ne sont pas similaires à celles de démocratie. Je renvoie à l'ouvrage de Godbout, La participation contre la démocratie, hein, qui montre bien aussi
Ce qui peut expliquer parfois l'absence de certains acteurs, aussi les craintes, on va dire, de récupération ou d'instrumentalisation qui peuvent être en tout cas vécues et voilà, chez certains acteurs. Donc, mais voilà, ce qu'on observe, c'est que globalement, ces questions de participation, les acteurs des PAT s'en emparent, mais on a des variabilités de formes, différentes portes d'entrée et des dynamiques, donc, comme je le disais, qui sont très différentes. Voilà. Et puis, pour revenir sur un petit peu la grille de lecture qu'on a utilisée, Sophie l'a évoquée, qui va de représentation à finalité, on est là également aussi voilà, dans quelque chose de processuel, de graduel, avec au fond un processus d'empowerment et d'apprentissage. Les acteurs aussi apprennent à travailler ensemble, ça prend du temps. La question de la reconnaissance, on va dire, des uns et des autres, elle est centrale, mais elle prend vraiment beaucoup de temps. Voilà ce qu'on peut dire. D'où aussi, pour reboucler avec les publics, on va dire, les plus en difficulté, en précarité, aussi toute la nécessité qu'il y a de reconnaître aussi les publics, par exemple, les plus précaires, comme étant pas simplement des personnes dont on peut caractériser la situation par le manque, mais aussi par des compétences, des capacités, hein, je parle de processus d'empowerment. Voilà, on a aussi dans ces publics des compétences sur voilà, des solidarités qui se sont développées des fois en dehors des radars et qui peuvent être aussi des choses sur lesquelles les PAT peuvent s'appuyer. Voilà, et puis... redire aussi pour terminer, pour conclure, Marc Bolecker évoquait le fait que si on lui avait dit il y a quelques années que l'alimentation, qu'il y aurait un colloque dans le cadre porté par le CREGO sur les questions d'alimentation, en tout cas qu'il était très étonné, voilà, dire aussi peut-être que l'alimentation, hein, on a dit que c'était quelque chose de fondamentalement intime et il y a une vraie dimension anthropologique, et bien que cet objet-là, peut-être aussi, il est intéressant parce qu'il permet d'interroger aussi les processus démocratiques voilà, qui nous intéressent, quel que soit l'objet. Voilà, nous vous remercions. Bon, merci. Merci beaucoup à vous trois. Qui a des questions dans la salle? Alors, merci beaucoup pour la présentation. Du coup, je travaille aussi à la DRAF avec Dorian. En écoutant votre présentation, je me disais, une piste pour peut-être compléter cette analyse de la place de la société civile dans les PAT serait aussi de voir leur place dans l'animation. Il y a plusieurs PAT en Alsace qui sont portés par une collectivité, mais la collectivité a décidé de déléguer vraiment la méthode d'animation à une association du territoire, et donc ça joue quand même beaucoup, je trouve, en termes de méthode et d'implication. Enfin voilà, c'est plus à l'ancienne par des fonctionnaires, mais c'est par des méthodes un peu plus récentes et inclusives. Et même, je dirais qu'il y a parfois aussi une dimension qui serait peut-être plus difficile à analyser, mais un peu cachée, qui est que ces PAT, souvent, sont les chargés de mission d'animation des PAT, souvent des jeunes profils qui sont peut-être en dehors de leur travail dans plein d'associations et qui du coup peuvent transférer finalement les idées et les méthodes de la société civile à l'intérieur des collectivités. Je trouve que ce serait aussi des pistes intéressantes. C'est pas vraiment une question, mais si vous avez une réaction, n'hésitez pas. Sur certaines périodes un petit peu, on va dire, délicates ou structurantes des PAT qui vont être vraiment mandatées pour venir justement un petit peu, on parlait du tiers, Renaud, tu évoquais les questions de tiers, qui vont être comme ça mandatées sur certaines périodes du PAT pour aider les acteurs justement à structurer la gouvernance notamment. Donc effectivement, les questions d'animation qui peuvent aussi penser de manière un peu... collective ou tournante. Enfin, il y a des questionnements qu'on a entendus chez les acteurs sur des nouveaux modes à trouver, effectivement, et pas simplement parce que la collectivité le porte, on aurait un administratif qui anime. C'est juste. Merci beaucoup pour cette présentation très très intéressante et aussi la précédente. Alors, j'ai un historique très opérationnel.
Je reconnais, donc ma question est vraiment très pratico-pratique, mais comment mesurer concrètement l'efficacité de tous ces plans qui sont merveilleux en termes d'accessibilité et de démocratie alimentaire? Parce que c'est, on nous parle de la mise en place, il faut passer par là, mais concrètement, comment le mettre en place d'une part et comment mesurer le succès de ce plan? Avant que vous répondiez, je voudrais prolonger sa question, si vous êtes d'accord. Non, je me disais avant, en tout cas, que la question de l'évaluation des PAT n'est pas une question facile parce qu'ils émergent dans des contextes très différents et que évaluer, ça veut dire donner de la valeur. Et ça veut dire qui reconnaît cette valeur, qui, d'une certaine manière, est en mesure ou en légitimité de dire quelle serait la valeur d'une démarche collective. C'est peut-être aussi pour faire un pont sur la discussion qu'on aura après en table ronde et sur la manière de construire finalement peut-être des indicateurs de manière un peu plus collective. En même temps, la question, elle est, merci Renaud, elle est difficile, hein, mais elle est importante puisqu'on voit bien, je parlais de temporalité longue, on a aussi dans ces PAT de manière différente, mais voilà, de la frustration, voilà, parce qu'il faut passer à l'action, les projets, les idées de projets qu'on a mettent du temps à se déployer, à trouver des soutiens et à entrer dans le concret. Donc c'est des vraies questions et ces indicateurs, hein, pour répondre à ce que tu dis Renaud, je pense qu'ils peuvent être co-construits. Mais là aussi, on a un travail, on évoquait tout à l'heure, ne serait-ce que la période de structuration des PAT dans lesquelles on est déjà en train de se demander quel avenir on veut pour notre territoire, sur quels objectifs on veut appuyer. Et puis, voilà, la démocratie, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et on a des discussions, ben, voilà, sur le moindre mot, sur Sophie l'évoquait, hein, sur le local, très bien, on est tous pour, mais de quoi on parle? Voilà, est-ce que la dimension du territoire aussi, hein, qui est très évolutive, qui les frontières peuvent se placer à un endroit ou à un autre. Donc, en tout cas, dans certains PAT, on voit c'est la question des indicateurs, des vraies discussions, on va dire, sur justement ces indicateurs, et quelque chose de très compliqué. Ouais. Justement, enfin, il faut savoir quand même que ça, on va pas le cacher, mais le ministère n'avait pas forcément prévu dès le départ quelle évaluation pour les PAT. Et c'est quelque chose qui est en cours de réflexion. Il y a pas mal de travaux. Il y a même d'ailleurs peut-être l'ADEME qui se positionne beaucoup là-dessus, parce que l'ADEME aime bien évaluer. Il faut savoir que l'ADEME va évaluer d'une façon assez spécifique. Est-ce que c'est la bonne façon? Je pense qu'il faut la croiser avec d'autres choses. Nous, on a impulsé aussi, il y avait une évaluation environnementale des PAT. On a dit, ce serait bien peut-être aussi de se pencher sur le volet social, parce qu'il y a peut-être des choses à évaluer aussi. Après, je pense qu'il y a l'exemple du département, le PAT sur le département, qui est intéressant. Ils ont essayé de faire une station spécifique qui s'appelle le Labo CAP, où justement l'idée, c'est qu'il y ait un constat, une analyse, des propositions par les personnes concernées et par ces personnes engagées dans les actions sur qu'est-ce qu'on fait maintenant, enfin ce côté un peu démocratique. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi des outils. Mais c'est quelque chose en développement, hein, clairement, et on n'est pas en avance, quoi. Merci. Merci beaucoup de cette présentation très intéressante. Je voudrais faire peut-être deux commentaires et j'espère que ça vous inspirera quelques retours. D'abord sur la question de la participation. Donc ce matin, on a évoqué la question de la participation des établissements, mais derrière la participation des établissements, on peut s'interroger sur la participation des personnes. Alors, pas que des citoyens, mais je pense plus personnes au sens social, hein, personnes accompagnées. Et quand on voit, je comprends que vous avez assisté à différentes réunions de PAT, les uns les autres, à des places différentes. Quand on voit la technicité des débats, on s'interroge fortement sur la capacité de participation des personnes. Et pourtant,
Si on veut répondre aux besoins des personnes... des premières concernées. Et puis après, il y a l'autre question, c'est la question de la légitimité. Vous l'avez évoqué rapidement. On l'a vu aussi, nous, cette question de réflexion sur la légitimité, notamment des acteurs sociaux et médico-sociaux qui ne pensent pas avoir la légitimité à réfléchir des questions alimentaires, d'une part, ou à se positionner en acteur de l'alimentation, et d'autre part, certains PAT qui ont du mal à se trouver légitimes à interroger les questions sociales. Voilà, je ne sais pas si ça traverse vos réflexions. Merci beaucoup. C'est vrai que sur la question de la légitimité, ça rejoint aussi une réflexion qu'on se posait en évoquant un peu les synthèses et discussions, qui était à un moment donné, quelle est la place légitime de certains représentants, des acteurs sociaux, au sein des PAT aussi. On a le cas de PAT qui sont finalement très ouverts, mais d'autres personnes qui se sentiront pas légitimes parce que déjà il y aura effectivement un vocabulaire très technique quand on emploie les termes EPCI, etc. Moi j'ai quand même mis du temps avant de comprendre tous les sigles qui étaient. Et puis souvent dans certains PAT on a une représentation agricole aussi avec d'autres termes qui sont extrêmement techniques. Donc il y a effectivement un problème de langage que vous avez évoqué et sur lequel il faut effectivement qu'on pousse la réflexion. Et puis la légitimité dans les deux sens où effectivement des acteurs sociaux qui se sentiront pas forcément légitimes à être là. Et puis est-ce que des PAT qui sont principalement représentés par des acteurs sociaux seront légitimes du point de vue des parties prenantes externes et institutionnelles? Donc oui, c'est des questions très très importantes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais prendre une dernière question avant la pause café. On peut continuer la discussion après avec un café. Mais alors, je vais prendre cette question. Merci. Alors, je vais être rapide. C'est aussi surtout un témoignage. Bon, moi, j'étais au démarrage d'un des PAT. Alors, évidemment, on ne fait surtout pas le lien avec ce qui était présenté. Hein, on conserve l'image. Je ne rappelle pas le territoire d'où je suis. Voilà. Mais ce que je dirais, c'est effectivement, c'est vrai qu'on a démarré au moment où un PAT, c'était pas connu. D'ailleurs, nous-mêmes, avant de s'y engager, on s'était dit qu'est-ce que c'est que ça, ça va être du boulot en plus. Au début, l'intérêt n'était même pas immédiat pour nous. Finalement, c'est par la suite qu'on a vu que c'était évident, que c'était bien d'être dedans. Et très vite, on s'est dit, oui, mais quel résultat, quelle aide, du concret. Bon. Donc effectivement, c'est toujours pareil quand on fait une évaluation petit public, il y a des choses très concrètes qu'on peut compter. Par exemple, là, aujourd'hui, on est un certain nombre de personnes, il y a une fiche d'émargement, on sait, voilà, on a rassemblé tant de personnes et c'est chouette, on communique là-dessus. Voilà. Mais après, il y a toute la dynamique, tout le lien qui se crée, qui n'est pas forcément hyper mesurable. Notamment dans un des axes sur l'accessibilité à tous, par exemple, voilà, les conversions bio, enfin, il y a des choses qui sont mesurables, d'autres moins, mais après ce sont des dynamiques d'acteurs qui se retrouvent et puis là, à un moment donné, va se lancer dans quelque chose. Le PAT ira sans doute contribuer, mais comment, à quelle mesure, on ne sait pas toujours le dire. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est de voir surtout la dynamique des territoires et c'est aussi ce que vous mettez, enfin, ce qui a été mis en avant dans cette présentation comme d'autres présentations précédentes, quoi. Voilà. Et après, moi, ce que je peux juste témoigner, c'est le nombre d'appels qu'on reçoit de gens en disant « j'ai entendu parler de votre PAT, comment ça peut m'aider ?» Sous-entendu, quelle aide financière je peux avoir, voilà. C'est pas dit toujours très clairement au début, mais on le comprend assez vite. Voilà. Donc, par exemple, il y a une petite affiche en haut sur la marmite à projet, qui est quelque chose de très concret, qui a été mis en place en disant, voilà, on a plein de porteurs qui viennent à nous, comment on peut les aider, mais sans avoir forcément de l'argent tout de suite, mais les uns et les autres, on est au courant, tiens, il y a tel projet, il y a tel acteur qui peut aider un tel porteur de projet. Voilà, quoi. Donc, c'était juste pour apporter un petit témoignage sur ce qui, sur cette belle aventure, enfin, ces belles aventures sur ces différents territoires, en tout cas. Moi, si je peux juste dire, merci beaucoup. Et puis, ça rejoint effectivement la question de l'évaluation. On constate, hein, on a vraiment des tensions, mais qui ne sont pas spécifiques au PAT, qui sont spécifiques à ces démarches où la démocratie, ça prend du temps. Et là, on a une urgence. Et voilà. Et c'est vraiment ces tensions de temporalité, effectivement, qui... Et peut-être que la mise en place d'évaluateurs qualitatifs peuvent aider à prendre conscience de progrès de court terme qui aident à l'évolution de long terme. Ouais. Mais c'est un enjeu, effectivement. Merci. Bon, merci beaucoup à vous trois. On peut vous applaudir. Merci, mais avant de faire la pause, Sébastien, un truc à annoncer. Oui,
En fait, on est tellement bien ensemble qu'on a envie de garder un souvenir. Alors, je vous ai annoncé un livre, mais là, c'est dans le temps un peu loin. Donc, ce que Angèle Renaud, qui nous a rejoint, la directrice du Crégo, hein, qui avait ouvert à distance et qui est venue nous rejoindre comme promis, suggère qu'on fasse une photo de famille, puisqu'on fait une famille, ça y est. Et donc, si vous voulez bien, avec votre petit café ou votre petit thé, hein, on peut se retrouver peut-être à l'extérieur, mais je ne sais pas s'il fait... ouais, pour avoir une photo, ou juste devant, là, avec, voilà, on va faire une photo, et puis, donc, on vous renverra la photo pour que, hein, vous gardiez une petite trace. On reprend dans un quart d'heure, hein, on écourte la pause, parce que sinon, on va prendre beaucoup trop tard. Thank you.
Non, je ne connais pas. Tout est expliqué. Enfin, c'est beau, hein. Ici ? Ah, c'est des belles photos, je trouve. J'ai dans la maison. Ah ouais ? J'en ai déjà parlé, mais je vais en reparler. Qui c'est qui vous a demandé ça ? Allô, allô. Et bien, si vous le voyez. Ah, d'accord. Gaël Pelletier, oui. On en a déjà parlé ensemble. Mon ouvrage, sur l'appel, on avait mis le 30 décembre. Voilà, on verra peut-être, on ajustera. De toute façon, on va revenir vers vous. Okay. Hein, vous donner des éléments, et puis je pense qu'on organisera une visio. Alors, la table ronde animée par Renaud de Fibre va s'installer autour de table ronde. Est-ce que tout le monde est là ? Ah. Moi, je dois rester debout. Alors, donc d'abord, merci d'être là. Alors, en fait, pour introduire la table ronde, je rappelle le titre, et puis je vais peut-être faire un petit commentaire là-dessus. Et puis, avant de partir dans une discussion... dans du dur, de nouveau, je vais vous proposer une petite histoire, une petite fable, parce que il est déjà, comment dirais-je, on est déjà au bout d'une journée de réflexion, donc parfois ça fait du bien de prendre un peu de recul. Alors, le thème, donc, c'est celui de la gouvernance, de la coopération et de l'action collective. Et je me disais que c'était intéressant par rapport aux discussions qu'on a pu avoir avant, parce qu'on pourrait voir ça comme trois manières d'être ensemble. C'est-à-dire, on peut coopérer ensemble, on peut même pousser les choses plus loin en disant on est dans de l'action collective avec peut-être parfois une dimension plus, je dirais, militante, engagée. Et puis, on peut aussi être dans une logique de gouvernance et qui, ici, suppose cette fois-ci des enjeux de pouvoir, d'articuler en fait des intérêts, des formes de pouvoir différents. Et en tout cas, ça pose une question que le philosophe Schopenhauer avait proposé d'aborder par une petite fable donc, que je vais vous raconter. Je ne sais pas si vous la connaissez, peut-être. Est-ce que vous connaissez la fable des hérissons ? Non ? Alors, ce sont une famille, enfin des hérissons en fait, qui... vivent chacun un peu de leur côté, et puis il se trouve qu'à un moment donné, c'est l'hiver. Et comme c'est l'hiver, bah, ils se disent que ça serait bien qu'ils se rapprochent, comme ça, ils auraient plus chaud ensemble. Le problème, c'est que quand ils se rapprochent, ils se piquent. Et donc, ils se rééloignent. Bon, et puis, petit à petit, ils essayent de nouveau. Par moments, ils désespèrent presque, hein. Ils se disent, non mais... on n'arrive peut-être pas à être ensemble, mais il fait trop froid. Et finalement, ils réussissent à trouver un peu le bon mix entre, je dirais, être suffisamment proche et suffisamment à distance, et trouver en tout cas des manières d'être ensemble entre des intérêts communs et le besoin d'avoir des frontières, de reconnaître les autres, etc. Bon, en tout cas, cette petite histoire, alors, il y a
Yacine qui me demandait avant et qu'est-ce qui se passe quand il y a un lièvre. Là, j'avoue que je n'ai pas encore la réponse. Mais peut-être que d'ailleurs, lui a les mêmes questions. Enfin, peut-être qu'en tout cas, le groupe aura plus de facilité à l'accepter. En tout cas, par rapport à ça, je me disais, on a trois types d'acteurs ici qui sont présents. Alors, on a à la fois des acteurs qui sont plutôt dans l'action collective, je dirais, plutôt dans forme d'engagement, en tout cas, donc Sahel Vert, en fait, hein, l'association Sahel Vert. On a un acteur qui, lui, est plutôt, je dirais, dans l'engagement, je dirais, pour la... Est-ce que je vais trop loin si je dis la survie des paysans, etc., de l'agriculture, le développement. Bon, quand je dis survie, c'est parce que je sais qu'on a souvent parlé des temporalités courtes et parfois des menaces en termes budgétaires, etc. Et voilà, donc le développement. Et puis, deux autres personnes qui, pour moi, ont une convergence, en tout cas en termes de réflexion et de posture, parce que pour moi, ce sont plutôt des acteurs qui sont dans une posture un peu de recherche et d'accompagnement. Alors, recherche militante, si on peut dire, au sens où il y a une dimension associative et avec une question que, de toute façon, je vais vous laisser présenter de manière plus approfondie sur la manière de comment on communique ensemble sur, à partir de la comptabilité, en fait, comment on communique ensemble, comment on rend communicable, en tout cas, des efforts en matière de respect de l'environnement. Et voilà. Alors, donc deux acteurs que j'ai peut-être que j'ai tort de vous placer ou de te placer plutôt du côté de la recherche, non, c'est ça ou, Oui. Bon, de toute façon, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est en fait de vous laisser le plus de place possible pour que vous puissiez échanger. La règle dans ce temps qui est court, c'est que vous ayez à peu près 15 minutes par type d'acteur. Alors c'est vrai que comme il y a un acteur qui est présent numériquement forte, enfin, ok, donc voilà, vous êtes chacun 5 minutes, vous m'avez dit. Et donc 15 minutes à peu près pour Lionel, qui même s'il est seul représente beaucoup. voilà, et puis 15 minutes aussi pour vous deux. Quoique, Pietro, toi tu m'as dit, tu es à la fois sur ta posture de chercheur, mais en même temps tu seras peut-être plutôt dans une posture aussi un peu de réponse ou d'échange selon l'évolution du débat. Voilà. Bon, est-ce que ça va? Vous avez compris un peu déjà les types d'acteurs qui sont présents? C'est important pour que vous puissiez suivre. Ouais, ça va? Ok. Bon, merci. Donc, alors maintenant, en termes de présentation, comme vous avez déjà votre PowerPoint, ils ont pris place, ça c'est un truc tout à fait stratégique. Je vais vous proposer de vous présenter en premier. Et je vous passe le micro. Ok. Bon, ben, on va commencer. La première étape de notre discours s'appelle Parcours de vie et dynamique collective. Donc, pour une brève présentation de l'association Sahel Vert, donc, qui œuvre depuis 31 ans et dont l'objet est de favoriser des liens d'amitié et d'échange en faveur des mobilités géographiques, cognitives et sociales. Et comme le dit Laurent Éloi, et comme on le croit, il n'y aura pas de développement durable sans justice sociale. Nous entendons par développement durable le droit de chacun à avoir accès au socle de sécurité qui se décline par se nourrir, se soigner, se loger, se former. Et ici, on porte une attention toute particulière au pronom réflexif, parce qu'il ne s'agit pas de nourrir ou de loger ou d'être logé ou d'être nourri. Mais il ne s'agit pas non plus de créer
de la surproduction alimentaire pour récupérer les restes d'une alimentation industrielle, extractive et mortifère, mais plutôt d'offrir l'opportunité à chacun et à chacune de faire usage de ses compétences pour répondre à ses propres besoins. Notre travail consiste non seulement à cultiver la terre pour produire de l'alimentaire, mais aussi à co-construire un cadre dans lequel nous sommes tout à la fois bénéficiaires de ce que nous produisons en biens et en services, et acteurs. Les bibliographies des personnes nous racontent une époque, une organisation et une dynamique, et nous avons choisi d'aborder nos propos à partir de la bibliographie du responsable du pôle initiative, de la responsable du pôle éducation et de la responsable du pôle de recherche que nous sommes, en endossant le statut unique de bénéficiaire acteur. C'est donc notre journal de bord que vous nous confions. Je m'appelle Adama Pouyoukou, je suis né à Sofara et ai rencontré l'association Sahel Vert pour la première fois en 1995. Je suis alors âgé de 11 ans. Cet étranger m'interroge, m'apprenne. Ils viennent régulièrement avec des groupes. Je deviens le guide au Fali avec Na, Samba et d'autres enfants. Nous nous résistions à chaque fois d'accueillir l'autre, celui qui vient d'ailleurs. Nous travaillons ensemble à la plantation d'arbres, à la construction d'une école, de maisons, de clôtures, de puits. Le centre d'accueil spécialisé que l'on baptise en Katanyefe, qui signifie « Allons de l'avant, prends forme ». Sur la place de Palabre, Malik Gindo, le permanent, Amadou Samake, le forgeron, Sekou Kamara, l'alimentaire jeunesse, nous discutons de ce que nous continuons de produire ensemble. Nous y plantons 252 arbres. Nous voulons faire du maraîchage. Cela demande de l'eau, alors nous creusons des puits. Pour les personnes de passage, qui vont à la foire du village ou qui vont travailler au champ. C'est l'occasion de faire une pause, de se rafraîchir, de trouver un coin d'ombre et de l'eau de qualité. Nous réfléchissons avec toutes les personnes présentes aux règles permettant de préserver le bien commun. Nous les mettons en place, nous les réactualisons à chaque nouvel accueil. Au cours du voyage de 2001 avec des collégiens du collège Salpegui de Wittelsheim, une nouvelle règle voit le jour. Lors du briefing quotidien, les jeunes nous parlent d'une règle qu'ils vivent comme injuste. Ils n'ont pas le droit de fumer sur le site, ni devant les adultes. Pourtant, les adultes fument sur le site et devant eux. Ils demandent que cette règle devienne la même pour tous. Un nouveau slogan est né. Un club décapité égale un arbre déplanté. Fumer sur le site est amendable de 100 francs CFA, qui le prix d'une pousse d'arbre. Depuis 2021, le centre dont vient vous parler Adama accueille des populations déplacées venant de zones de guerre. Malgré les conflits, le centre est préservé jusqu'à ce jour, sans doute parce qu'il sert l'intérêt commun de tous. Les personnes accueillies participent à la vie quotidienne du centre. Leur force de travail augmente la production et permet de les nourrir. Tandis que l'aide alimentaire structurelle plonge les personnes dans une dépendance et la dette, l'action des personnes nourrit les personnes. Dans ce centre, au contact des artisans,
Adama développe de nouvelles compétences techniques dans le domaine de la construction et du maraîchage. Aujourd'hui, il est responsable du pôle initiative de l'association. Il est le seul membre salarié à pouvoir circuler dans l'ensemble de nos centres, car le Mali est actuellement en zone rouge. Ouais. On a été censuré. C'est pas grave. Revenir en arrière. Alors je reviens en arrière. On est à la gestion de l'incertain. Voilà, c'est là. Voilà. Je m'appelle Aurélie Marais, donc je quitte ma Normandie fin 2005 pour venir en Alsace suivre une formation de technicienne d'intervention sociale et familiale. J'effectue alors un stage à l'association Sahel Vert, qui à l'époque a un relais de la Banque Alimentaire. Ce relais de la Banque Alimentaire est mis en place dans le cadre du plan alimentation-insertion de Dominique Versini et les modalités d'accueil se fondent sur la théorie de Marcel Mauss du don. Le relais de la Banque Alimentaire, c'est avant tout un espace de distribution alimentaire autour duquel des bénéficiaires mettent en place différents ateliers. À l'époque, sont mis en place des ateliers de rencontres parents-enfants. Très vite, on met en place un potager et un atelier de recyclage et de rénovation de matériel. Tous ces ateliers répondent en tout ou en partie aux besoins des personnes et aussi aux besoins des territoires. Cette posture d'acteur permet aux personnes de faire valoir leurs compétences et d'adopter une nouvelle posture. Cette expérience me fait découvrir une nouvelle façon de penser la relation, de considérer les personnes. Par exemple, celle d'accepter de recevoir, même par celui que je considère comme moins ou comme plus pauvre, moins outillé ou plus outillé. Tout est remis à plat pour moi. Je m'interroge sur la relation à l'autre et moi-même je grandis. J'apprends au quotidien et je gagne en assurance. Je décide de rester en Alsace et de poursuivre mon parcours ici. Je poursuis mon engagement dans l'association et finalise ma formation de technicienne d'intervention sociale et familiale par un écrit intitulé « L'aide alimentaire, première étape vers l'insertion sociale et professionnelle ». Dans ce travail, je m'interroge sur le processus qui permet aux personnes de passer d'une posture de bénéficiaire à une posture de bénéficiaire-acteur et en quoi ce statut de bénéficiaire-acteur est promotionnel pour les personnes. Ces interrogations conduisent à la création d'un pôle recherche au sein de l'association avec et pour les bénéficiaires-acteurs. Devenu salarié de l'association, je passe ensuite un diplôme d'éducatrice technique spécialisée. Mon sujet de mémoire est les représentations du travail chez un public à besoins spécifiques. Je m'interroge alors, la relation est primordiale, mais comment garder contact avec les personnes les plus démunies, celles qui ont besoin d'aide, qui n'ont pas toujours les codes pour les exprimer de manière entendable. Comment parler d'elles à partir de leurs compétences et non de leurs manques? Par quel processus deviennent-elles bénéficiaires actrices? Prendre en considération leur représentation, c'est aussi accepter le conflit, accepter qu'elles ne pensent pas toujours comme moi, que ce que je leur donne, elles ne le souhaitent peut-être pas, ou alors qu'elles ont besoin de le rendre et que ce partage puisse faire l'objet de la production d'un bien commun. Dès lors, je prends conscience de l'importance de la création d'espaces de dialogue, de la possibilité aussi de permettre aux personnes d'acquérir des outils d'expression de soi à travers le langage, mais aussi à travers les arts et la culture. Ces espaces sont des lieux de conflictualité, où les personnes sont parfois alliées, parfois ennemies, mais surtout où elles cherchent le consensus à travers l'interrogation de leur représentation, de leur rapport au monde. La fiche d'incident est l'outil de base du processus de gestion des conflits à l'association. C'est l'outil à travers lequel elles s'expriment. Parfois, elles ne savent pas écrire, elles s'autorisent alors un secrétaire. Nous les analysons en collectif ou pas, parce que parfois le simple fait de l'écriture ou de la diction permet de faire tomber les tensions. Accueillir la rage des plus jeunes, le désenchantement des adultes et la peur des anciens est nécessaire pour qu'un processus de résilience se mette en œuvre et que l'individu se remette à croire en son pouvoir d'agir, en son pouvoir de transformer la société à travers sa propre participation. Je m'appelle Nicole D'Angelo et je suis arrivée à l'association en 1999.
Et je participe aux étapes de professionnalisation et d'institutionnalisation de l'association. Et je suis convaincue que l'éducation est la clé du développement des sociétés. Je suis également convaincue que le développement prend la définition et la forme que lui donne l'humain en collectif ou non, et que le développement est donc sérendipité. Je participe activement au séjour de solidarité en Afrique et en Europe, à leur restitution, et je réalise à quel point la mobilité fait école. Aujourd'hui, l'association poursuit ses voyages apprenants en France et en Italie, où elle a créé dans la région de Terni, à Giove, un quatrième centre, après un centre dans la région de Mopti, à Sofara, un dans la région mulhousienne, à Wittenheim, et un autre à Bamako. Donc, 2 centres en Afrique et 2 centres en Europe. La confrontation à l'autre invite à une posture anthropologique qui permet à chacun et à chacune de prendre conscience de ce qui est produit pour soi, pour les autres et pour le monde. La prise de conscience de ce bien commun amène à une considération de la règle comme promotionnelle et non punitive, comme autorité autorisant plutôt qu'interdisant. Dans le cadre du pôle de recherche, nous impliquons les personnes à répondre à des problématiques qui relèvent de défis environnementaux, sociaux et économiques. Au cours d'un processus de réflexion construit à partir des effets indésirables du relais de la banque alimentaire, réflexion issue à la fois de l'analyse de la gestion des conflits, mais aussi de l'analyse des effets de la surproduction alimentaire sur la famine dans le monde, nous décidons ensemble de mettre fin à notre convention avec la banque alimentaire. À travers la collecte de données, dans le cadre d'une recherche action participative, de consommation, de production de données bibliographiques et géologiques, nous nous initions à la méthode scientifique pour acquérir le savoir qui nous permet de construire et de partager la décision. Par exemple, à travers la récolte des données alimentaires faites par les membres du collectif de travail, nous pouvons faire le choix des plantations du jardin. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu plantes. La récolte des données nous permet de considérer nos usages et de les transformer. La prise de conscience de la production de ce bien commun et son identification est le contenant identitaire du groupe. Elle peut être un gage de coopération dans le groupe et au-delà du groupe. Nos 4 centres produisent de l'alimentaire à travers la mise en place de potagers au sol et de bacs de culture, de l'élevage à travers la gestion pastorale et de l'huile d'olive. La viabilité de ces activités tient au fait qu'elles ne sont jamais considérées comme purement productives. Elles sont le lieu d'interactions sociales, de transactions sociales, qui sont le ferment et le ciment d'une organisation en société. Il s'agit là d'une économie synergique, alliant entre le bien personnel et le développement du bien commun. Les activités de l'association interrogent les frontières entre la propriété privée et le droit d'usage. Le modèle économique synergique implique un modèle de gouvernance en perpétuelle interrogation. À ce stade, nous ne pouvons que définir les ingrédients d'une démocratie possible, puisque elle est par nature un espace processuel. Accepter que le mouvement, comme le dit Jean Tinguely, est l'unique chose de stable partout et toujours, est le consentement au principe même de démocratie. La mobilité suppose l'accueil de cette ouverture et primordiale pour se confronter à l'autre, à oxygéner nos pensées. C'est pour cette raison que l'association, au sein d'un réseau nommé Djebougou, cette fois-ci on peut mettre là une image de réseau, travaille actuellement à la mise en place d'écolieux au sein d'habitats privatifs, à la diffusion d'un manifeste de l'accueil réalisé avec nos partenaires européens et africains, à l'institutionnalisation d'une école des mobilités pour les enfants de l'école élémentaire avec l'UNESCO et à la création d'une coopérative agricole école au Mali. Merci de votre attention. Lionel, cette fois-ci, si tu peux parler un peu des enjeux de gouvernance, de coopération à ton niveau, en fait. Alors,
on va revenir quelque chose de, moi je vais vous parler de choses beaucoup plus locales, on va quitter l'international avec les actions qui sont beaucoup plus vastes que celles que moi je vais vous partager. Il y a une quinzaine d'années, moi je suis tombé dans le petit chaudron du circuit court alimentaire de proximité en prenant quelques paniers d'AMAP sur ma commune. Et puis rapidement, quand on met le doigt dans ces enjeux-là et qu'on veut un peu s'y intéresser, on se rend compte que ça met en lien des acteurs qui, a priori, naturellement, ne se rencontrent pas forcément. Tout d'abord, des consommateurs directement avec des producteurs. C'est des petites organisations. Je pense que tout le monde ici dans l'amphi sait ce que sont les AMAP, hein, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Et il y a 15 ans, c'était à peu près ou du moins en Alsace, hein, on met ça dans son contexte, c'est des AMAP qui sont dans le sud du département 68, donc département du Haut-Rhin. Il y a 15 ans, c'était grosso modo le seul moyen que vous aviez d'avoir un accès direct à des produits locaux de saison bio. Et ça commence, ça intéresse de plus en plus de monde. Il y a une prise de conscience sur le fait alimentaire, sur sa sécurité alimentaire, sa santé, etc. Donc on crée ces deux, trois premiers lieux de distribution sur le département. Il y a donc deux lieux à côté, enfin Mulhouse, une commune à côté, près de la frontière à Bâle. Et rapidement, on est très sollicité. Alors quand je dis on, c'est le groupe de consommateurs et le groupe de producteurs, de paysans qui animent ces trois lieux de distribution. On est tous très sollicités par des groupes de citoyens, par des communes pour dire « Ah ouais, mais moi aussi je veux un autre lieu d'AMAP chez moi, je voudrais créer un lieu de distribution ». Et à ce moment-là, on a des communes, donc un maire qui vient d'être élu, une nouvelle équipe qui dit « Est-ce que vous pourriez faire quelque chose ?» Et là, on se rend compte que l'agriculteur, c'est pas son truc, quoi. Lui, il veut bien produire, mais aller organiser un nouveau lieu de distribution, c'est pas forcément ça. Donc on se dit quelle est la solution pour organiser ça, et on se dit voilà, on n'a pas envie de se substituer à la relation entre le consommateur et son agriculteur, c'est pas ça du tout, mais on va quand même faire une association chapeau. On aime beaucoup les associations en Alsace, hein, parce qu'il y a le droit local ici, c'est très facile, donc voilà, et c'est en plus un outil assez puissant, ça permet de faire plein de choses. Donc hop, dès qu'on a un truc, on crée une association. Donc là, on fait une association chapeau qui fédère tous les agriculteurs et puis les citoyens engagés. Et c'est ce réseau, on fait un réseau de lieux de distribution, on lui donne la vocation de développer justement cette façon un petit peu nouvelle ou alternative de consommer en lien direct entre le consommateur et le producteur. En l'espace de 3 ans, on est super content de nous, on multiplie par 2 le nombre de lieux de distribution, donc on passe de 5 à 10, on multiplie par plus de 2 le nombre de familles engagées dans les AMAP, donc on arrive quasiment à 1200 foyers. On est plutôt fiers, parce qu'une association qui a 1200 adhérents, c'est plutôt pas mal, on arrive à 26 producteurs. Et à partir de ce moment-là, quand vous atteignez une forme de masse critique comme ça, vous devenez un acteur sur le territoire qui devient visible, vous avez la nécessité de devenir lisible vis-à-vis de vos partenaires. Et là, vous vous dites, arrivé à ce moment-là, il ne faut pas perdre de vue son objectif, et nous on se dit, mais c'est quoi l'objectif après tout? Les AMAP, c'est bien maintien de l'agriculture paysanne. Mais on fait le constat quand même, on sait déjà, en regardant la pyramide des âges de la profession agricole, que dans les 10 ans qui viennent, il y a grosso modo la moitié des producteurs qui sont en âge de partir à la retraite. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe sur ces centaines d'hectares qui vont changer de main? Nous, notre objectif, c'est d'encourager l'agriculture paysanne. La typologie d'agriculture en Alsace, c'est pas franchement l'agriculture paysanne. C'est certes la viticulture, mais c'est également la monoculture céréale qu'on voit dans la plaine. Enfin, c'est un peu tristounet. Et nous, la vision qu'on porte, c'est de dire, on aurait plutôt une volonté de voir que la terre, donc le foncier agricole qui entoure les villes, eh bien, c'est plutôt un foncier qui aurait intérêt à être orienté vers l'agriculture nourricière, agriculture donc nourricière à alimentation humaine. Et donc, face à cet enjeu de transmission des fermes dans les 10 ans qui viennent, comment les circuits courts alimentaires de proximité peuvent être jugés comme suffisamment pérennes
avec des volumes suffisamment importants et avec une valorisation suffisamment intéressante du produit par le circuit court pour que les agriculteurs qui s'installent, les transmissions, les reprises de fermes qui vont venir, se fassent justement dans le sens de l'agriculture nourricière pour que la terre qui nous entoure, elle nourrisse les citoyens qui y vivent. À partir de ce moment-là, on se dit, ok, il faut qu'on sorte de notre entre-soi du petit monde des AMAP. Alors, je dis un peu exprès le petit monde parce que je vous ai dit 1200 familles, c'est chouette, mais sur le sud du département, il y a grosso modo, on va dire entre 400 à 450 000 habitants. Donc, en fait, à l'échelle du territoire, c'est peanuts. Clairement, d'un point de vue symbolique, d'avoir 1200 familles qui... En ordre d'idée, ça faisait grosso modo un chiffre d'affaires d'à peu près 1,2 million d'euros pour tous les paniers distribués sur une année. Sur à peu près 25 fermes, ça représente 70 emplois. Et en moyenne, les agriculteurs font la moitié de leur chiffre d'affaires. À l'époque, ils faisaient la moitié de leur chiffre d'affaires en AMAP. Donc, un calcul tout bête, ça veut dire que la décision individuelle de 1200 familles sur un territoire, ça fait vivre 30 à 35 personnes, et qui sont des ouvriers agricoles, des chefs d'exploitation. Donc quand on va, et là à ce moment-là on est aussi en légitimité, là, le terme de légitimité est super important dans les démarches pour justement avancer, être capable d'interagir dans une gouvernance de projet de territoire. Il faut se sentir légitime. Et des chiffres comme ça, ça permet d'aller voir les politiques, d'aller voir des partenaires en leur disant écoutez, regardez, le sujet, le fait alimentaire, on peut faire quelque chose sur le territoire. Et à ce moment-là, on se dit faut qu'on accompagne un changement d'échelle et on se rend compte qu'on est un peu, alors je ne vais pas dire au bout du système de ce que les AMAP peuvent faire, parce qu'on n'est jamais au bout, hein, mais par contre, pour pouvoir changer d'échelle et avoir un impact sur le territoire, et compter dans l'orientation du foncier agricole et la vision de ces enjeux alimentaires par les partenaires, que ce soit les collectivités ou alors que ce soit les acteurs de l'agriculture comme la Chambre d'agriculture. Alors je vous cache pas que c'est pas forcément toujours simple de travailler avec la Chambre d'agriculture parce que elle a pas une vision agriculture paysanne, clairement pas. Mais la logique des circuits courts, ils sont pas non plus complètement désintéressés. Mais ils savent pas par quel bout prendre le problème. Et donc, à partir de ce moment-là, la vision qu'on a portée, ou la façon dont on a porté nos actions, c'est de dire, on va quand même aller discuter avec toutes ces institutions, tous ces acteurs-là, mais avec une logique de convergence d'intérêts. C'est-à-dire, quel est l'intérêt d'une agglomération comme l'agglomération de Mulhouse, quel est l'intérêt du monde agricole, quel est l'intérêt du consommateur, et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble en disant chacun va mettre un peu d'eau dans son vin. On rentre dans, quand je dis on, c'est l'association chapeau qu'on a créée qui s'appelle RENAMAP. On rentre dans différents cercles de discussion. En particulier sur les tout premiers prémices de ce qui va donner le PAT sur Mulhouse et qui avait été initié par la Fondation Massif à l'époque et qui avait initié des discussions, ils avaient appelé ça les tables rondes alimentaires, sur un constat tout simple qui dit fondation dit pognon, c'est un peu rapide, mais il y a plein d'associations qui identifient les sources de financement et qui vont les taper en disant moi je voudrais ça pour mon action. Et à l'époque, les personnes en charge de la fondation Massif nous disent mais attendez, là nous on est sollicités de partout par plein d'acteurs qui sont sur santé, bien-être, alimentation, on a l'impression que vous vous connaissez pas. Alors nous, on veut bien financer des trucs, mais on aimerait quand même que tout ça ait un impact sur le territoire vraiment, et on veut pas saupoudrer. Donc, avant de financer quoi que ce soit, on va organiser, et ils ont appelé ça les tables rondes alimentaires, c'était en 2014, on va organiser des tables rondes alimentaires pour que justement, on voit s'il n'y a pas des synergies à trouver, s'il n'y a pas une mise en route, mais qui sera plus collective. Et à ce moment-là, on s'est tous mis ensemble et on a réfléchi à décrire une échelle, on va dire, c'est l'échelle, enfin le système qui va alors de
du champ à l'assiette, même voire un petit peu plus loin, qui va jusqu'à la poubelle, parce qu'il y a du déchet à toutes les étapes. Et puis, quel est dans ce système-là, qui sont ceux qui produisent, qui sont ceux qui transforment, qui sont ceux qui financent, qui sont ceux qui conseillent, qui sont ceux qui accompagnent. Et puis, où sont les trous dans la raquette, où sont les endroits où il y a beaucoup d'acteurs, qui fait quoi, comment. Et donc ça, c'était extrêmement intéressant, et ça a demandé à chacun d'être lucide dans sa propre structure et dans ses propres projets, dans sa propre vision, d'être lucide sur sa capacité à faire, parce qu'on avait énormément, il y a beaucoup d'acteurs, mais certains qui ont des moyens, mais qui n'ont pas des moyens financiers, mais qui n'ont pas les bras. Il y en a qui ont les bras, alors là, souvent les associations, mais qui n'ont pas les moyens. Alors quand on a les bras, est-ce qu'on les a tout le temps ? J'entends par là, c'est souvent du bénévolat. Le bénévolat, ça tourne. Alors est-ce qu'on est crédible sur la durée ? On a beaucoup évoqué la temporalité dans les présentes interventions. Donc il faut que tout ce petit monde, en fait, se mette d'accord sur une vision commune du territoire et du qui fait quoi. Et donc à partir de là, ça veut dire qu'il faut être en capacité de se dire... Bon, ben, ça, c'est un truc que j'adorerais le faire, mais j'ai pas les moyens, donc je vais me séparer ou je vais laisser cette action-là à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un peu dur à faire, parce que des fois, on se dit, ben, moi, j'ai créé ma structure, on a ça dans nos statuts, on veut le faire. Non, à un moment, ça demande une forme de lâcher prise de certains acteurs. Des fois, ça marche. Souvent, ça marche pas, on va pas se mentir. Mais pour le coup, ça a le mérite, en fait, des actions comme ça, de poser les choses. Donc 2014, c'est quelque chose qui prend du temps, ça a dû durer à peu près 2 ans, et puis après, ben, on a commencé à avoir le vocab PAT qui est arrivé. Donc voilà, tout ça pour dire que, en fonction de la structure dans laquelle on est, qu'on soit une association, qu'on soit une collectivité, la logique de l'alignement d'intérêts ou de la convergence d'intérêts est extrêmement importante. Je finirai rapidement pour vous parler de deux idées qui sont issues donc de ces réflexions, sur les circuits courts alimentaires de proximité. Dans l'idée de changer d'échelle, on a créé une société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle la Brique 48, dont la vocation est d'être un tiers-lieu dédié à l'alimentation durable pour justement démontrer qu'on peut arriver à changer d'échelle en termes de volume, qu'il y ait des initiatives qui, en termes de volume, soient capables d'être suffisamment importants, d'absorber des volumes importants pour que, justement, les agriculteurs se disent « Ah tiens, ok, moi, je veux bien aller vers ce créneau-là. » Et là-dedans, c'est quoi ? C'est un magasin, c'est un restaurant, c'est de la cuisine pédagogique, c'est des espaces de rencontre. Un deuxième exemple, c'est de dire, avec les acteurs du territoire, on a identifié une structure sur le territoire. C'est, alors, je peux le citer, hein, c'est une institution médico-sociale, donc l'Institut Saint-André à Cernay, qui est une commune à une vingtaine de kilomètres de Mulhouse, qui est à l'origine une institution religieuse qui s'occupe de personnes handicapées et qui sont établies sur une ferme de 130-135 hectares. Cette ferme, elle était là au démarrage pour nourrir les personnes de l'Institut. C'était en quasi-autarcie, en quasi-autonomie alimentaire. Et puis, dans les années 50, les sœurs, elles ont dit « Ouais, c'est bien gentil, mais nous, on va sous-traiter tout ça et on va confier nos hectares à un agriculteur. » Depuis les années 50 jusque dans les années de 2010, ça a joué comme ça. Et à un moment, l'Institut a dit « Mais peut-être qu'on peut redonner du sens à ce foncier. » Ils se sont essayés à redevenir fermiers, et puis en 10 ans, ils ont dit « Non, mais on perd du pognon là-dessus, on arrête. » Ils ont interrogé... Ouais, bah, c'est dur d'être agriculteur, surtout, voilà, les terres avaient été bien abîmées par l'ancien fermier qui faisait de la monoculture. Et ils ont interrogé les acteurs du territoire en disant « Mais est-ce que parmi vous, il y en a qui peuvent nous accompagner ?» pour faire une transition de ces 130 hectares vers une agriculture qui va être en bio, vers une agriculture qui va revenir vers de l'agriculture, alimentation humaine, et qui surtout va revenir vers de la polyculture-élevage. Et là, c'est pareil, détection de ce projet-là par les acteurs du projet alimentaire territorial,
intégration de ce projet dans la dynamique collective, accompagnement de et c'est accompagnement de la structure. Il y a encore des sœurs, hein, des bonnes sœurs qui sont à la décision sur l'institut. Accompagnement des propriétaires, alors par l'association Terre de Liens, par Bio en Grand Est, et puis donc la partie intégration dans les réseaux. Et en 2 ans et demi. Ces terres sont converties et là aujourd'hui il y a 8 repreneurs qui viennent maintenant se partager ces terres. Et là c'est pareil, on est sur un modèle de gouvernance qui est très partagé. Ça veut dire que le propriétaire lâche son pouvoir sur ces terres, mais met des conditions en disant on veut bien vous confier nos terres, mais on veut que vous alliez dans telle direction. Et puis on met un niveau de coopération plus supplémentaire en disant, voilà, cette ferme-là, elle est identifiée par le territoire comme étant un endroit où on va pouvoir produire des produits alimentaires qui vont irriguer le territoire, mais ça va être aussi un exemple pour faire de la formation, pour des gens qui voudraient s'inspirer. Et donc, là encore, ça veut dire qu'il aura fallu que l'institution religieuse, elle regarde en termes d'alignement d'intérêts, ok, moi, je veux arrêter de perdre de l'argent, je veux donner du sens à mon foncier. Et de l'autre côté, tiens, moi, je veux m'installer en tant que maraîcher, en maraîchage sol vivant, je veux faire de l'élevage, etc. etc. Et donc, avec ça, les gens convergent. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de vous partager ce soir sur les exemples que je vous ai livrés rapidement. Mais c'est vraiment cette idée de dire, chacun va avoir sa propre... on va dire sa propre carte ou son propre calendrier, mais par contre à un moment il faut qu'on se retrouve sur une analyse de nos intérêts qui à un moment peuvent diverger, hein. Il n'y a pas de souci avec ça, mais il faut qu'on se retrouve sur ces convergences d'intérêts et ça c'est un truc bon, ça peut être, on peut penser que c'est facile comme ça, mais en fait ça veut dire qu'il faut aussi être dans le lâcher prise par rapport à son propre parfois certains de ses objectifs. Point qui vous lit, je dirais, dans les deux témoignages qu'il y a eu pour l'instant. Vous êtes plus sur des valeurs à un moment donné, d'une certaine manière, et toi, tu parles plus d'intérêt, si je ne dis pas de bêtises. Je fais le lien avec ce que va dire Clément. Ce qui m'intéresse dans ce que va présenter Clément, c'est peut-être un outil ou une démarche qui permet à des acteurs de se rencontrer et de trouver une manière de parler ensemble de la manière de réparer un environnement abîmé, et avec la question derrière de comment on fait de la comptabilité peut-être un outil de discussion et puis un outil d'évaluation commune, c'est ça. Donc peut-être dans cette recherche d'alignement d'intérêts, me dit peut-être que la question de cet outil de langage commun peut être quelque chose d'intéressant. Pour faire le lien aussi avec ce qui a été dit avant, je me dis qu'il y a peut-être un lien commun entre tout ce qui a été dit jusqu'à présent. C'est que dans une certaine mesure, à l'endroit où vous êtes, vous produisez aussi de la réparation, je dirais, de l'environnement. Dans l'exemple de la ferme de Saint-André que tu as évoqué, on a une terre qui est à l'époque très abîmée par de la monoculture, et puis il y a cette capacité à revenir vers plus de diversité, quoi. Bon, en tout cas, ce qui va être intéressant dans ce que va dire Clément maintenant, c'est de voir, comme dit, comment la comptabilité, mais une comptabilité qu'on construit ensemble, qu'on discute ensemble, comment on va valoriser les choses, les coûts, comment elle devient peut-être un élément d'alignement d'intérêt, c'est ça? Pardon, alors je me rappelle plus si là c'est 7 minutes ou 15 minutes. Pardon. 15, ok, c'est mieux. Là j'interviens aujourd'hui pour le compte du CERCES, Cercle des comptables environnementaux et sociaux, et donc c'est une association qui a pour but d'aider les acteurs, des expérimentateurs d'une comptabilité à s'approprier cette comptabilité. Cette comptabilité est développée par la chaire comptabilité écologique. Il y a plusieurs comptabilités, mais je vais d'abord parler d'une, et après je vais voir si j'ai le temps de parler de l'autre pour l'approche territoriale.
c'est la comptabilité CARE, Comprehensive Accounting in Respect of Ecology, désolé pour l'anglais. Et l'idée de cette comptabilité, c'est déjà parce qu'on pourrait se dire, et effectivement, malgré l'introduction bienveillante, on pourrait se dire, mais pourquoi nous parler de comptabilité ? On a parlé de citoyenneté active, de constellation de démocratie alimentaire, etc. En fait, la comptabilité, le rôle à la base, hein, c'est la mise en relation des activités humaines organisées. Et le fait qu'on ait une comptabilité capturée par la logique financiarisée et principalement monétaire, c'est quasiment un hasard de l'histoire, en fait. Donc c'est un moment de l'histoire du capitalisme qui fait que l'outil comptabilité est utilisé comme ça. Et le propos, et qui est quasiment, enfin, on va dire... je ne trouve plus le mot, donc j'abandonne. C'est une petite insolence faite par ces deux comptables-là, Jacques Richard et Alexandre Rambaud, c'est de prendre le fondement de ce qu'est la comptabilité capitaliste et de la retourner contre la logique financiarisée et de l'utiliser pour préserver le vivant humain et non humain. Et sans aller dans le fond des choses de ce que c'est que le capitalisme pour les comptables, c'est pas l'accumulation, c'est pas les droits de propriété, c'est quelque chose de bien différent qui est en fait le fait d'apporter quelque chose et de devoir le préserver absolument pour le restituer à l'apporteur, et en l'occurrence l'apporteur capitaliste, et en l'occurrence l'apporteur c'est l'argent. Et bien, le propos de ces comptables-là, c'est de dire, oui, mais attendez, en fait, si on regarde ça, on est dans une vision du monde qui considère que l'argent. Hein. Mais en fait, on pourrait dire que bah, pour produire, il n'y a pas que l'argent, en fait. Et que, du coup, il faut, quand on a une activité, une entreprise humaine au sens large, et bien, il faut apporter... Bah, la nature apporte, la nature s'apporte. Voilà. Et donc, d'une certaine façon, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas ce geste de préservation d'une chose capitale, préservation stricte pour restitution stricte, pourquoi est-ce qu'on ne l'appliquerait pas au fait que, bah, pour qu'il y ait une entreprise humaine, forcément, on mobilise la nature, donc on doit la restituer. Et ils disent pareil pour les hommes et femmes dans l'entreprise, c'est-à-dire que au-delà du marché du travail et du salaire, etc., les individus, les personnes s'apportent dans le travail, et s'apportent dans leur motivation, etc. Et ce qui a préservé, c'est pas le prix du travail. Ce qui a préservé, c'est l'intégrité de l'individu humain dans le travail. Et donc, la question que eux vont poser, ils vont mettre un deuxième changement radical, c'est-à-dire ces valorisations, tout ça, on va pas les regarder, le prix du travail, on va pas regarder le prix de la nature. Parce que c'est vraiment des deux acteurs, Alexandre Rambaud et Jacques Richard, qui viennent, enfin qui sont très. Qui ont beaucoup d'affinités avec les logiques de développement soutenable, etc. Ce qu'ils vont considérer, et ça c'est la vraie logique comptable, historique, hein, c'est que les comptabilités maintenant qui donnent des valeurs en entreprise au prix du marché, c'est un dévoiement qui est très récent, qui date des années 70. Le comptable, à la base, il compte en coût historique. Le coût historique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, si je prends cet exemple de la comptabilité CARE, je ne vais pas dire quel est le prix de la nature. Ce serait, on n'est pas du tout dans cette philosophie-là, on n'est pas du tout dans de la monétisation, dans de la financiarisation des services écosystémiques. On va dire, il y a des décisions locales de préservation de l'environnement qui sont décidées, j'ai une entreprise qui y contribue, cette action de régénération, cette action de préservation, elle a un coût, et ce coût, je l'enregistre en comptabilité, comme une dette de l'organisation vis-à-vis du territoire. Et c'est pareil pour le bien-être au travail et la qualité, enfin le respect intrinsèque de l'homme au travail, c'est de dire il y a des dépenses pour la bonne ergonomie des plans de travail, il y a tout ce qui est préservation de l'humain au travail, ce sont des coûts qui doivent être consentis, mais c'est sur la base d'une décision politique de préservation intrinsèque de l'humain. Et voilà, donc l'idée de tout ça, finalement, c'est de dire que la comptabilité, au sens large, elle a quatre grandes fonctions, historiquement, hein, c'est de... qu'est-ce qu'on va prendre en compte ?
Et donc là, c'est quelque chose qui relève d'une cosmologie, d'une vision du monde. Qu'est-ce qu'on prend en compte pour regarder une activité humaine ? On voit bien qu'une organisation qui produit des produits agricoles avec beaucoup d'agriculture chimique, etc., je caricature, va avoir une vision du monde qui est très orientée vers le productivisme, etc. Et que là, on ne va pas prendre en compte les dégradations des écosystèmes. Et après, au-delà de se prendre en compte, qui est cette vision du monde, il y a le... Puisqu'il s'agit là de compter, il y a le... de quoi est-ce qu'on va être comptable ? De quoi est-ce qu'on va s'estimer responsable ? Et en fait, dans la logique de comptabilité, c'est un outil de structuration de responsabilité. Donc la comptabilité, c'est dire de quoi je me sens responsable et comment je vais le qualifier. Donc dans compter, on a vraiment ce fait de dire compter, oui, avec des chiffres au sens évalué classiquement, mais il y a aussi, sans faire de mauvais jeu de mots, le compter narratif. C'est de quoi je me sens redevable, quels sont mes attachements, etc. Et tout ça est dans le... Dans le fait de l'expression de ce dont on va être comptable. Et là, je reviens à quelque chose qui était dit ce matin. On parlait de la question du pouvoir de l'acteur. Reconnaître une responsabilité de l'acteur, c'est aussi le reconnaître dans son pouvoir de faire et de transformer son territoire et de transformer sa relation à son milieu. Donc la comptabilité peut être aussi une façon de dire quel est le pouvoir de chaque acteur et comment chacun l'exerce. Et donc voilà, dans cette comptabilité CARE, nous on va s'intéresser aux impacts d'une activité humaine sur le vivant humain et non humain et sur l'environnement. Et donc on va s'intéresser à des actions de préservation. Et donc la base, si vous voulez, la base de l'action de compter, c'est la troisième fonction historique de la comptabilité. Il y a le prendre en compte, le monde, de quoi est-ce qu'on est responsable, de quoi est-ce qu'on est comptable dans ce monde, et après, qu'est-ce qu'on va compter ? Déjà, on va compter ce qu'on peut évaluer. Et donc là, on entre dans cette question des savoirs, des savoir-faire, des proximités, d'être capable de regarder l'environnement, d'être capable de conventionner pour dire « oui, je peux être comptable d'eux, oui, je peux être responsable d'eux », et au-delà du fait de dire « oui, je suis responsable d'eux », ce qui relève parfois de quelque chose de juridique éventuel, mais qui serait difficile justement d'évaluer au sens commun. La question, c'est de dire effectivement comment est-ce que je peux compter. Et donc là, on restreint le champ des possibilités. Nécessairement, quand on est en comptabilité, et quand on est en comptabilité, on se limite à ce qu'on peut compter. Donc c'est quelque chose de très subjectif. J'ai une question par rapport à ça. Je vois bien, par exemple, en anglais, on dit d'ailleurs accountable, c'est responsable. Je suis responsable, donc je suis comptable de. Je crois même d'ailleurs en français, on a l'expression. Et c'est vrai qu'il y a le lien, effectivement, avec le fait de raconter. C'est-à-dire comment est-ce que. Une dimension de récit et un journal comptable, d'une certaine manière, ça raconte quelque chose de l'histoire d'une entreprise ou d'une organisation, etc. Ce qui me paraît difficile, ou là où j'ai encore du mal, mais peut-être que je vérifie si je suis le seul, je connais, peut-être en bon capitaliste bien éduqué à ça, je connais la définition de prix par le marché. C'est-à-dire où il y a une rencontre entre une offre et une demande. Ça, c'est ce que j'avais appris. Et du coup, je me dis... y penser, et par exemple, est-ce que du coup les coûts dont tu es en train de parler, comment est-ce qu'ils sont pris en compte dans un prix, et comment ça a un impact par exemple sur une communauté prête à payer par exemple les fruits et légumes que produit l'agriculteur? Pour regarder les choses par le prix, compter. En fait, cette comptabilité, on va avoir une logique de traduction. Donc, quelle sont les humains ?
et donc conventionnement traduction. Et donc une comptabilité biophysique avec des indicateurs biophysiques, des définitions de bons états, des ambitions, et donc des ambitions qui sont toujours locales et politiques. On mobilise la science, mais dans un dialogue politique local. Donc on a vraiment une subjectivité, donc c'est du conventionnement. Et après, par rapport à cette comptabilité biophysique, on va dire, j'ai des pratiques agricoles qui dégradent, je vais faire du paillage des sols, je vais regarder en quoi j'améliore le sol, et puis, donc, indicateur de comptabilité biophysique, et à côté de ça, j'adosse des indicateurs de gestion qui vont être de dire, avant mon paillage, je le faisais, mais ça passait en charge, maintenant, c'est un investissement, parce que je réduis ma dette. Et donc, l'idée, c'est de dire, en fait... Ça devient un bien immobilier, alors, du coup. Ça ne devient pas un bien immobilier, mais l'idée, c'est de dire que, en fait, tous les coûts des actions qu'on met en place, qu'on choisit de mettre en place, on les provisionne au passif, de la même façon que la dette de l'argent apporté par le capitaliste. Et l'idée, c'est de dire, par exemple, que dans ce cas-là, on ne peut définir un bénéfice de l'exploitation que quand on a compté les coûts de préservation des hommes et du vivant. Donc, et ce qui fait que le prix actuellement, si certaines organisations, pour en venir au prix, peuvent vendre des produits agricoles extrêmement peu chers, c'est bien parce qu'elles ont une dette finalement écologique qui est immense, parce qu'elles ne comptabilisent pas les choses, parce que leur prendre en compte quelque chose de très rétréci à ce qui est dicté par le marché. Mais si on voulait vraiment regarder ce qui permet de produire, on aurait des actions dont les coûts seraient mieux au passif, et on dirait, il y a un bénéfice qui existe, et donc le coût de production est de temps, et du coup, forcément, le prix sera de temps. Ce que je veux dire, c'est que là, actuellement, les prix ne sont absolument pas représentatifs des qualités, et le but, c'est de se servir de la comptabilité et du dialogue autour des comptabilités pour justement dire, localement, on estime qu'une qualité dans un plan alimentaire territorial, etc., c'est ça notre référentiel de qualité. On utilise tel ou tel, on met ça en comptabilité pour dire, à partir de là, les coûts de production, c'est ça. On veut telle qualité, on en décide démocratiquement. Ça veut dire que les coûts de production, c'est ça. Et ça veut dire qu'à partir du moment où c'est ça, les coûts de production, les prix, c'est ça. Et des organisations qui ont déjà l'habitude, de par leur histoire, de par le réseau, de faire ces bonnes pratiques en AMAP, etc., vont avoir très peu de dettes écologiques et peu de dettes sociales parce que les paysans sont respectés, etc. Mais les pratiques industrielles, agricoles, vont avoir énormément de dettes, etc. Donc on a un rééquilibrage, justement, de la distorsion de prix qui casse complètement toutes les démarches. Et puis au-delà de ça, cette comptabilité, elle permet de dire... les actions de préservation sont budgétées, sont définies avec les acteurs du territoire. On n'est pas seulement en train de faire de la RSE et du déclaratif de ce qu'on voudrait faire dans 3 ans. Donc, on a cette grille de lecture. Donc, entre guillemets, les fonds du Green New Deal de Bruxelles, c'est ça. Enfin, c'est ici. Et puis, on peut dialoguer avec les plans d'action... des politiques territoriales plus larges. On parlait tout à l'heure de la question de l'action préexistante ce matin, quand on mène un plan d'action. Comment est-ce qu'on prend ça en compte? Si on a beaucoup d'organisations qui ont ce type de grille de lecture, on peut savoir que il y a, avec les indicateurs des comptabilités biophysiques ici et là, et les indicateurs des politiques plus territoriales, on peut voir ce qui match, on peut voir comment la politique peut se fonder sur des choses qui existent déjà, etc. Donc c'est vraiment, ça incite à voir l'indicateur comme une passerelle, comme un objet de dialogue et comme un objet de mise en relation. Et ce qui, je reviens au propos du départ, qui est que les comptabilités, c'est vraiment à la base pour dialoguer, quoi. Très riche. Alors, avant de demander peut-être de lancer plus encore une dimension débat, même si on est dans un temps limité, je voulais te demander, est-ce que tu as des exemples peut-être, ou un exemple, par exemple, d'une région ou un diapositive ? Ça ?
Alors, oui, oui, il y a, bouton, il faut pas appuyer. Il y a des expérimentations de cette comptabilité dans beaucoup de secteurs. Dans beaucoup de régions sur la question agricole, il y a des expérimentations sur l'économie circulaire dans des domaines plus industriels. Il y a des expérimentations qui sont menées avec des grandes marques, avec des industriels au niveau financier. Enfin, c'est le but de ce CERCES, cette association, c'est de dire comment ces principes génériques, on les décline aux problématiques de différents secteurs d'activité. Et comment on amène justement des groupes d'expérimentateurs à coproduire des indicateurs, à s'échanger des méthodes, etc. Et donc à créer des proximités institutionnelles autour de cette nouvelle façon de compter et cette nouvelle façon de rendre compte de responsabilité. En tout cas, c'est très riche parce que ça, quand on travaillait sur le PAT, notamment avec les Allemands, il y avait régulièrement la question de comment rendre compréhensibles les coûts de l'agriculteur auprès du consommateur, en fait. Comment les raconter, entre guillemets, et pour que, effectivement, le consommateur soit prêt à payer quelque chose ou à investir. Effectivement, puisqu'on peut dire le consommateur, lui, il investit aussi à la fois dans sa santé, dans l'environnement. Donc je trouve ça effectivement très intéressant. Maintenant, pour lancer le débat, Pietro, toi, tu avais dit que tu étais plus là un peu sur un mode de prendre le débat au vol. Est-ce que tu veux réagir par rapport à tout ça? Oui, absolument. Merci beaucoup pour ces contributions très passionnantes et très en lien l'un avec l'autre. Donc, je me présente, je suis Pietro Beltramello, je suis doctorant actuellement à l'École de management de Strasbourg, mais j'ai eu la chance de rencontrer l'association Silver en 2017 et de faire un parcours ensemble des bénéficiaires acteurs jusqu'à devenir responsable du pôle et donc de rentrer dans toute la dynamique qu'on a parlé d'échanges, de mobilité et aussi de comptabilité et de valeurs. Tous les discours que Lionel et Clément ont tenus, je les trouve très pertinents aussi à l'historique, à l'expérience de Silver, que j'espère que, voilà, je redonnerai la parole bientôt à eux pour j'espère, avoir des expériences qu'ils peuvent raconter dans le fait, les histoires, l'importance de la comptabilité au sein de la structuration d'une organisation. Et de la difficulté aussi, en même temps, de tenir en comptabilité qui cherche d'incarner des valeurs immatérielles, donc des choses qui sont essentiellement qualitatives, essentiellement qui veut s'échapper d'un réductionnisme de la, comment dire, si on veut être caricatural, de la comptabilité, de la quantitativisation de quelque chose qui n'est pas fondamentalement. Et donc, voilà, je ne suis pas là aujourd'hui pour raconter mon parcours doctoral, mais plutôt pour accompagner dans la discussion les acteurs qu'il y en a. Peut-être en ajoutant aussi quelques éléments, que j'ai peut-être à la fin de cette présentation, si on peut aller, on peut aller jusqu'au fin. Ce n'est pas ça que ce que j'aimerais parler jusqu'à les slides finales où la chose qu'on dit, l'importance de la question des valeurs et l'importance aussi de s'émanciper des visions qui cherchent de formaliser notre pensée à travers des comptabilités ou des perspectives données. C'est ça mon intérêt spécifique. Moi, dans mon parcours doctoral, je cherche d'approcher une épistémologie alternative, l'épistémologie bioéconomique. Donc, je cherche de se dépasser, en quelque sorte, de la vision positiviste qu'en forme toute la pensée occidentale, et notamment économiste et économiciste. Peut-être on peut arriver à là. Voilà, je ne vais pas vous présenter la bioéconomie, ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Vraiment, jusqu'à les dernières slides où on peut aller. Non, j'utilisais la présentation pas pour présenter, mais plutôt. Voilà, ici,
Ça, c'est intéressant. Ça m'est venu en tête quand on a évoqué ces questions des valeurs immatérielles et des questions de comptabilité. Pardon, c'est en anglais, mais ici, on voit comment les modèles économiques et donc qui portent la structurisation de l'organisation, mais des systèmes plus complexes, sont dans l'histoire, si on prend la pensée de Menegassi, qui est un économiste italien des derniers siècles, il parle comme les sociétés se structurent à travers une dynamique de corroboration hiérarchique, et donc que les sociétés anthropologiquement parlent dans des questions, des regroupements qui se basent sur des questions éthiques, familiaux, religieuses, et qui vont structurer donc de façon progressive une structure plus haute, donc à donner une structure juridique, économique, financière. Et ça, la comptabilité, ça vient, comment dire, à la fin de ça. Mais la complexité peut-être la chose qu'on doit être en garde, et dans votre discours c'est très clair, donc je fais aucune accusation pour ça, c'est l'importance de tenir en tête les pensées de Polanyi et donc l'illusion économiciste qu'on peut avoir à travers l'adoption des structures et des modèles comptables préétablis. Et en fait, nous sommes dans un système où on impose à les acteurs du terrain, même les plus alternatives, une perspective qui est, comment dire, d'un niveau supérieur, et donc d'un niveau comment dire, du marché financier, juridique, et à la fin la dimension la plus comment dire la plus intime, et donc celle où on a vraiment cet élan de changement que nous représentons chacun d'entre nous à travers la participation dans le parcours démocratique, va être négligée. Donc voilà, je ne voulais pas rester sur ça, mais peut-être passer sur la deuxième slide. Peut-être juste en amont, en fait, rappeler, enfin, dans la discussion qu'on a eue en amont de cette table ronde, il y avait un point qui était intéressant et qui faisait écho aux discussions que j'ai pu avoir avec Lionel à une époque. C'est toi, tu disais que c'est important qu'il y ait une discussion sur le fond entre les acteurs pour un peu avoir une sorte d'accord sur des valeurs, etc. Exactement. Et Lionel, toi, tu es à la fois tout à fait d'accord avec ça, mais tu disais en même temps qu'il y a toute une difficulté en fait en termes de temps. Et puis d'acteurs qui ne comprennent pas forcément qu'il y ait besoin en fait de ce temps d'échange. Là, je me demande en fait comment se produit en fait l'alignement des intérêts, comment est-ce que ça peut être possible entre ces deux logiques en fait. C'est un aspect très très important hein, que tu soulignes là. On va dire la convergence, elle se fait pas toujours. Hein, on va pas se mentir. Il y a des moments où ça passe pas, quoi. Où les acteurs du territoire, les collectivités, les financeurs. Là, puisqu'on parle de finances et on parle de comptabilité, si on va voir un banquier en lui parlant de la triple comptabilité ou de la comptabilité CARE, c'est bien gentil, mais lui, il va regarder vos ratios, il va regarder vos fonds propres, il va regarder votre endettement, et puis il va dire, il va dire non. C'est tout, et l'aventure va s'arrêter là. Donc à un moment, je pense que les journées comme aujourd'hui, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de penser les problèmes. Et à un moment, si on les pense pas, on n'arrivera pas à déboucher. Il faut un peu des pilotes de temps en temps, où il faut débroussailler, défricher. Je pense qu'il faut se nourrir des échecs quand il y en a, ou de la frustration quand on ne va pas assez vite. On n'arrive pas toujours à aligner les intérêts. C'est tout. Après, il y a une question probablement de
comment dire, de dimension de projet ou d'ambition, où on peut arriver sur des choses. C'est la politique des petits pas. La seule problématique sur le thème qui nous rassemble sur ces deux jours de l'alimentation, enfin, à titre perso, je considère qu'on n'a plus le temps, quoi. Et les enjeux alimentaires sont tellement aigus et tellement importants qu'il faudrait qu'on aille beaucoup plus vite. Mais voilà, c'est une vision, oui, un peu pessimiste des choses. Hein, mais... Clément. Moi, je suis à la fois tout à fait d'accord. Et en même temps, forcément on n'a pas le temps d'aller trop vite. Et je vais m'expliquer. C'est parce que, si vous voulez, justement... Alors, effectivement, je prends l'exemple de cette comptabilité, machin, qui montre un modèle un peu vertueux, voilà, et qui permet de le donner à voir. Ça prend du temps, parce qu'il y a ces porte-paroles des capitaux naturels, des milieux... Enfin, il y a tout, c'est toute cette démarche de démocratie alimentaire. Beaucoup de gens trouvent que tout ça, c'est trop long. Mais après, la question, c'est, à partir de ça... Est-ce que ça permet de ne pas être seul, atomisé, dans un marché globalisé? Et si la réponse est oui, la question c'est, est-ce que ça permet de dire, on a une grille de lecture de ce qu'on fait, et ce qu'on fait, ça va dans le même sens que des politiques publiques territoriales pour lesquelles il y a des financements, et dans ce cas-là, finalement, autant t'es, effectivement, on va voir notre banquier, on est tout seul, et on lui sort un truc qui ne fait pas encore référence, il va nous rire au nez. Mais après, si ça nous permet... De construire des partenariats, et si finalement on arrive à se dire, bah ok, oui, on a, en prenant en compte ses dettes, etc., bah effectivement, une profitabilité qui est peut-être un peu moindre au temps très court, mais qu'au temps un peu plus moyen terme, on arrive à nouer des trucs solides, pérennes, qui nous permettent de ne pas être tout seul, et qui en plus permettent de flécher des financements macro, finalement, il peut y avoir... une solvabilité renforcée dans un réseau de coopération qui n'aurait pas été permis sans. Donc la question, c'est aussi, est-ce qu'on est capable d'investir dans les proximités avant d'investir dans la solvabilité, dans la rentabilité des projets? Et ça revient à l'exposé de tout à l'heure. Est-ce qu'on est capable de prendre en compte la gouvernance avant le projet? Est-ce qu'on est capable d'investir dans la gouvernance? Et qu'est-ce que c'est investir dans la gouvernance? En fait, c'est parce que on n'a pas le temps qu'on produit des tomates en hiver pour manger des tomates tout de suite. C'est-à-dire que la temporalité, c'est exactement comme la comptabilité, vue d'un point de vue néo-capitaliste. C'est un point de vue. La temporalité, elle nous appartient. Quand on dit qu'on n'a pas le temps et qu'on se place comme urgentiste et qu'en fin de compte, on produit exactement l'inverse de ce qu'on voulait, eh ben, à un moment donné, le temps, il faut le prendre. Parce que de toute façon, dire on n'a pas le temps, c'est se prendre pour Dieu, d'une certaine manière. Et à un moment donné, la gouvernance, elle demande du temps. Et ce temps, si on ne le prend pas, on va droit dans le mur. Il nous échappe, en fait. Et ça, on le voit dans l'accompagnement des jeunes, parce que j'étais en train de dire, on n'a pas dit qu'on accompagnait des mineurs non accompagnés et des jeunes déscolarisés, c'est avec eux qu'on fait tout ça. Ben oui, eux, ils sont tout le temps dans l'urgence. Ils sont tout le temps dans l'urgence, mais si on cède à l'urgence, eh ben, on leur dit, t'as raison de paniquer, il vaut mieux sauter à l'eau et te noyer parce que ça ira plus vite. Donc tout ça, c'est... Tout ça, le temps et le fait de ne pas avoir le temps, les rythmes courts, on nous les impose, on impose aux enfants qu'aujourd'hui on leur dit tu ne peux pas te concentrer plus que 10 minutes. On leur impose ça, en vérité c'est du mensonge, ils peuvent se concentrer, ça demande de l'entraînement. Mais c'est voulu parce que le fait de saccader le temps et de pas mettre de la durée, ça fait consommer de la merde, il faut dire ce qu'il y a. Merci. C'est vrai, la merde se produit vite. Peut-être prendre cette fois-ci aussi un peu le temps de l'échange avec la salle et de voir les questions que vous avez. Je vais vous apporter le micro comme ça.
Merci Lionel, tu es en meilleure forme que moi, non ? Je sais pas. Je vais poser peut-être une question un peu naïve, mais je trouve que ce sujet de la comptabilité écologique, il est super important, super intéressant. J'avais notamment suivi des cours d'Alexandre Rimbaud, etc. Et par contre, je me demande quand même quelque chose. On a l'impression quand même que la démocratie alimentaire, à travers les PAT et tout ça, l'alimentation, ça a été mis à l'agenda politique. Quand même, l'État a dit, voilà, et le dispositif PAT, etc. Mais comment ça se fait ? C'est peut-être qu'une impression que la comptabilité écologique, elle soit, mais j'ai l'impression totalement absente du débat politique, peut-être, et que même, enfin, je sais pas, est-ce que, par exemple, il y a un lien avec le fait que même la chaire comptabilité écologique, elle est financée, enfin, s'il n'y avait pas LVMH derrière, elle serait peut-être même pas là, enfin, comment c'est que j'ai l'impression que l'État n'est, enfin, ça s'applique pas du tout là-dedans, je sais pas, voilà. En fait, je pense que il y a des sujets auxquels on peut toucher sans emporter toute une transformation de système. Et la question de la comptabilité, c'est quelque chose. Cette comptabilité capitaliste, elle existe depuis le XIVe siècle. Elle a pas, les principes n'ont pas bougé et on forme une constitution économique internationale. Et qui sont le rouage, pas le rouage, mais l'architecture totale de la modernité, puis du néolibéralisme. Et donc, là-dessus, j'en sais rien, ça c'est mon interprétation, je pense que les PAT, ça fait pas non plus très très longtemps qu'on peut les voir, parce qu'on touche à la question de l'alimentation, et qu'à travers la question de l'alimentation, on a un objet clair pour montrer l'approche systémique avec la santé, avec l'impact écologique et tout ça. Donc si il commence à y avoir une reconnaissance institutionnelle d'outils, de lieux de révélation de problématiques telles que les PAT, potentiellement, ça peut embarquer des choses et potentiellement ça peut faire une bifurcation comme le dit le mot à la mode, etc. Et je pense qu'effectivement la question de la normativité comptable est quelque chose qui, si on commence à mettre entre guillemets la cravate dans la déchiqueteuse, c'est tout le système tel qu'on le connaît qui y passe. Et actuellement, par contre, c'est des questions qui sont au goût du jour. Il y a vraiment un à Glasgow, il y a eu je ne sais pas si vous connaissez les normes IFRS, il y a eu la création de l'ISSB qui est présidée par Faber, Emmanuel Faber, justement intéressant pour la question de l'alimentation, mais qui a une vision qui prône une vision de la normalisation extra-financière. Et justement de la base des comptabilités écologiques, qui est de dire mais en fait, oui, on va regarder les impacts écologiques à partir du moment où leur préservation permet d'éviter des baisses de productivité. Donc en gros, ce qui importe dans l'environnement, ça importe parce que ça importe pour produire. Mais ce qui n'a pas dans l'environnement d'impact sur la productivité et donc sur la profitabilité n'a pas d'intérêt. En gros, c'est ça, avec quelques petites subtilités. Mais donc, c'est des sujets qui sont au goût du jour et qui se passent vraiment et qui sont en train de structurer le monde de la relation entre l'humain, l'homme et la finance pour de très longues années. Et là, il y a une fenêtre de quelques années où, justement, il y a une confrontation entre l'Europe qui tient des positions où on va regarder aussi l'impact sur l'environnement et, entre guillemets, pour faire large, les anglo-saxons qui tiennent des positions qui sont très business-orientées et finances-orientées. Et ça, c'est maintenant que ça se décide. Je viens de réaliser que dans la salle, nous avons une spécialiste de la comptabilité environnementale, c'est ça ? Donc je me disais peut-être qu'elle a une question. J'aimerais réagir sur les interventions très intéressantes sur la comptabilité écologique. Alors, je ne suis pas une spécialiste de la comptabilité écologique, je m'intéresse au contrôle de gestion environnementale, c'est autre chose. Pour revenir sur ce que vous avez indiqué, la comptabilité écologique qui est défendue par nos collègues Jacques Richard et Alexandre Rimbaud inscrit effectivement cette comptabilité dans une perspective de durabilité forte. Il défend l'idée d'inscrire au bilan des entreprises les trois types de capitaux,
financier, social et environnemental pour mieux prendre en compte les enjeux de la durabilité. Cela dit, moi je m'interroge concrètement sur la capacité de ce modèle CARE à transformer les comportements au sein des organisations. J'ai un peu l'impression que la comptabilité écologique et donc le modèle CARE en particulier permet de rendre compte, donc permet de communiquer sur les résultats dans les trois domaines que j'ai cités. Mais concrètement en interne, comment on transforme les comportements? Comment on fait en sorte que les acteurs prennent davantage en considération les différents enjeux? C'est la première question. Ma deuxième question concerne les tensions, les contradictions qu'on peut observer entre les trois volets du développement durable. Comment la comptabilité CARE prend en compte ces tensions et comment elle permet aux acteurs, aux dirigeants concrètement, aux managers, aux acteurs de terrain, de traiter ces tensions entre ces trois volets du développement durable. Voilà, merci. Merci, je reviens avec le micro. Pour faire des réponses très très courtes et donc lacunaires, la première c'est, je pense qu'il y a pas mal de gens qui en ont marre de dire d'un côté j'ai une réflexion financière et de l'autre on m'impose des indicateurs extra-financiers, etc. Et en fait le but de CARE c'est vraiment à partir du moment où on dit on regarde des comptables biophysiques, etc., on prend des décisions et puis on regarde leurs coûts. Et puis on met ça dans une comptabilité intégrée, c'est de dire qu'on n'est plus schizo, déjà. On n'est plus schizophrène, on a une approche intégrée de différents enjeux. Et le but de tout ça, c'est de dire j'ai plus seulement des états financiers, j'ai aussi ce qu'on pourrait appeler des états extra-financiers. Et qui ne sont pas une déclaration d'intention mais, de type RSE, mais qui sont la réalité des choses. Et donc l'idée et le but de CARE au final, c'est vraiment d'accompagner le pilotage de la redirection écologique et sociale des modèles d'activité. Et le CERCES, cette association, la Cercle des comptables environnementaux et sociaux, a pour but de faire des formations à CARE, mais pas seulement des formations au tableur Excel, des formations pour permettre aux dirigeants justement de se saisir de ces enjeux et de voir quelle est l'approche transformative et comment on passe d'un outil de calcul à des choix stratégiques, à un pilotage stratégique. Et la deuxième question, c'est en fait, il y a trois... c'est pour ça qu'on est dans une soutenabilité forte, c'est qu'il y a ces trois piliers qui peuvent... Enfin, les trois piliers du développement durable qui pourraient être... Je parlais tout à l'heure d'une autre comptabilité qui est développée à la chaire comptabilité écologique, qui est la comptabilité écosystème centrée. L'idée, c'est qu'avec CARE, on regarde le point de vue de l'organisation et comment ces impacts sont pris en compte et comment il y a une responsabilité au niveau de l'organisation. Mais quand on a regardé les impacts d'une organisation, on n'a pas regardé la qualité de l'écosystème. Et donc la question, justement, il y a la comptabilité écosystème centrée, elle regarde la qualité de l'écosystème sur un territoire de vie, un bassin versant par exemple, et à partir de là, il y a des comptes de contribution des différents acteurs. Et l'idée, c'est de dire, je suis un acteur, je m'applique CARE, en fait, aussi, cette contribution, elle peut être lue au niveau du territoire comme contribution à une co-gestion environnementale. Et pourquoi est-ce que ça, c'est un élément de réponse à votre question? Ça veut dire qu'on pose un socle, qui est le socle au niveau du territoire, qui est la qualité des écosystèmes, et qu'à partir de cette qualité des écosystèmes, on regarde des politiques publiques territoriales, on peut regarder des PAT, on peut regarder de l'approche de formation de commun, etc. Et donc on peut faire un choix social, mais sur la base d'un socle d'évaluation écologique et avec différentes logiques via CARE au niveau des organisations de transformation de l'économie marchande. Et donc voilà, en gros, l'idée, c'est que structurellement, CARE est associé à un projet plus vaste qui va, au niveau des territoires, fonder ces analyses-là aussi sur un socle de maintien de la qualité des écosystèmes. Oui, c'est très intéressant, tout ce domaine de la comptabilité. En fait, ça, c'était un enjeu majeur, même dans l'association Sahel Vert, où... les besoins, la nécessité de voir qu'est-ce qu'on fait et de rendre compte, et donc avoir la comptabilité, comme a été déjà dit, c'est
c'est prendre des responsabilités, c'est donner des responsabilités aussi. Et en fait, c'est ça. Je veux retourner à la question selon moi centrale qui nous réunit, je pense. Amont de la comptabilité, il doit avoir un partage des valeurs, un partage des visions. Et on revient toujours à la même question qu'évoquait aussi Lionel avant. Quand on a des systèmes qui sont en transition, qui sont animés pour des questions démocratiques, et donc que la place de chacun est importante parce qu'elle est différente, comment on va à saisir des instruments qui, pour leur définition, vont réduire les questions à des choses très spécifiques. Et selon moi, voilà, je laisse à vous tous, en fait, hein, parce qu'on a chacun une expérience de ça, je pense. Une question, encore une dernière question avant la fin. Peut-être une remarque, merci pour tout cet échange, parce que je trouve que c'est de grande qualité. Ça permet aussi, je pense, de vous rencontrer autour de questions sur lesquelles vous n'aviez pas encore échangé. Et donc, vous aviez encore une question ? Question sur le chat. Vous avez mentionné le projet de la Brique 48. Quel est l'avenir envisagé pour ce projet ? Je vous remercie par avance. Alors ça, c'est une question de quelqu'un qui connaît un peu le projet et qui sait qu'on a un peu des difficultés avec nos amis banquiers. Ouais, si on change la comptabilité, ils vont tous nous devoir plein de sous. Mais non, malheureusement, c'est pas le cas. Alors, en 30 secondes, le projet Brique 48, donc un tiers-lieu dans un bâtiment d'une zone industrielle à Mulhouse. Donc un projet ambitieux d'un peu plus de 2 500 m². Moralité, c'est très cher. C'est un budget de 4,5 millions. Et avec les augmentations, l'inflation, en moins de 10 mois, on a pris 30%. Donc ça veut dire qu'on est en stand-by pour le moment. Et là, pour le coup, aujourd'hui, on est en train de faire le point avec les sociétaires. On a levé 150 000 euros auprès de 90 citoyens qui sont rentrés dans la société coopérative d'intérêt collectif en tant que sociétaires. Et donc on leur doit la transparence par rapport à ça. Donc aujourd'hui, on est plutôt à une phase de stand-by pour justement voir si on peut phaser un petit peu différemment, dépenser moins, parce que c'est là où le bas blesse. Et puis repartir sur le bon pied, mais de toute façon on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, puisque les enjeux de l'alimentation, de toute façon, que ce projet se fasse ou se fasse pas, ils sont toujours devant nous, donc il faudra bien qu'on y apporte des réponses. Donc voilà, on est en stand-by, mais assez rapidement, d'ici la fin d'année, on aura des pistes d'action. Voilà, petite parenthèse. Je te remercie. Je pensais juste, on avait une discussion avec des collègues où on se rappelait à peu près combien coûte une route bitumée. Et là, c'est vrai que aussi on peut se demander quel est le service à l'environnement d'une route bitumée. En fait, plutôt beaucoup de destruction. Et c'est vrai que c'est assez fascinant de penser que c'est toujours plus facile de financer une route qu'un projet comme celui-là. En tout cas, merci pour la qualité de vos échanges. Merci aussi à Angèle Renaud pour l'échange... Voilà. Donc, et je cède la parole. Voilà. Donc, le colloque se termine. Va se terminer par un discours. Alors, le doyen s'excuse. Il n'a pas pu rester avec nous. Alors, vous avez vu, il était présent. C'est... Donc il avait pris la parole à plusieurs reprises du point de vue de juridique. Il y a eu un débat sur la notion de citoyen. Donc il s'est vraiment nourri de tous nos débats parce que c'est des sujets qui l'intéressent beaucoup. Donc il vous remercie. Et il a proposé que le discours de clôture, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être trop long, soit réalisé par Marc Bolléquer et Angèle Renaud. Angèle Renaud, sans Marc Bolléquer. Après, d'accord, d'abord Angèle. Effectivement, je vais être malheureusement très brève, sinon je vais rater mon train. En tout cas, je
pour commencer, juste vous dire le bonheur que j'ai d'être ici avec vous. Hier, j'étais particulièrement frustrée face à mon écran toute seule. J'avais un peu l'impression d'être de nouveau confinée. Donc, je me réjouis d'être voilà, avec vous pour clôturer ce colloque européen, donc d'être en présentiel et de pouvoir mettre des visages sur les noms et de pouvoir échanger rapidement avec vous. Donc, ce colloque européen sur le thème de la démocratie alimentaire est un colloque qui illustre parfaitement l'état d'esprit qui nous anime au sein du CREGO pour deux raisons. Tout d'abord, c'est un colloque qui est ouvert sur l'Europe et l'international, ce qui permet aux chercheurs du laboratoire CREGO d'aller au-delà des frontières régionales de notre unité de recherche. C'est la première raison. Deuxième raison, c'est un colloque qui permet, via les ponts qui sont dressés entre les sciences de gestion et les autres disciplines des sciences sociales, de nourrir notre réflexion et de pouvoir emprunter des concepts et des cadres théoriques des autres disciplines pour traiter un sujet, comme on l'a vu tout au long de ces deux journées, un sujet d'une importance capitale pour la société. Donc, vu l'importance de ce sujet, je tiens à adresser mes sincères remerciements, mes félicitations au comité d'organisation, à toute l'équipe UHA du CREGO, en particulier à Sébastien, qui a animé ces deux journées avec une grande qualité, avec son humour qu'on lui connaît, et c'était vraiment des moments passionnants que j'ai suivis en partie à distance, comme j'ai déjà indiqué. Voilà, et puis merci aux intervenants, merci aux discutants, merci à tous les participants qui ont contribué au succès de cet événement. Donc merci, et je vous souhaite une bonne soirée, et puis au plaisir de vous revoir dans le cadre d'autres événements que nous organisons au CREGO. Donc je vais laisser la parole à Marc. Donc, je prends la parole à la place de Hossine Sadok, qui a dû s'absenter en cette fin de journée. Je suis assez content parce que j'ai commencé le discours d'accueil en parlant de comptabilité. Et puis, je m'aperçois qu'on parle beaucoup de comptabilité écologique et c'est vraiment très intéressant et c'est très, très passionnant. Je me pose parfois la question de la possibilité effectivement de déployer ce genre de système au sein des organisations. Quand je pense à la comptabilité des ressources humaines qui est une vieille vision des comptables et des chercheurs en comptabilité en particulier, avec l'intention de changer les pratiques des organisations pour avoir une vision plus réaliste de la gestion des ressources humaines, des comportements humains et d'immobiliser aussi un certain nombre d'activités de gestion des ressources humaines. Et quand on voit l'évolution finalement de la comptabilité des ressources humaines, on peut être assez pessimiste par rapport à la comptabilité environnementale, mais peut-être il faut être davantage optimiste et puis se battre effectivement parce que il faut se battre finalement contre des normalisateurs, souvent contre des États, contre des entreprises. Mais c'est vrai, comme ça a été dit tout à l'heure, les petits pas permettent de progresser, de faire des bons sur plusieurs années. Alors j'espère que vous avez bien profité de l'ensemble de ces nombreux échanges. J'espère que le colloque générera vraiment de nombreuses collaborations, de nombreuses actions, d'autres initiatives de ce type, que ce soit ici ou que ce soit ailleurs. Je crois que les échanges entre les académiques et les praticiens sont extrêmement riches et sont vraiment encouragés, que ce soit en sens de gestion ou dans d'autres disciplines. Je crois vraiment très important de continuer sur cet élan que Sébastien a donné ici à la FSESJ. Alors je remercie évidemment tous les organisateurs, je vais les citer encore une fois, que ce soit Léna, que ce soit Mélanie, sa contribution, Laurence Grandchamp, Sébastien évidemment, Sophie Michel, Fatna et puis Cyril. J'aimerais bien qu'on les applaudisse tous, parce qu'ils le méritent bien, pour toute leur implication durant ce colloque, mais surtout aussi sur ce qui précède le colloque et qui est un engagement quand même très, très important. Je remercie aussi les intervenants dans les ateliers académiques et dans les tables rondes, ainsi que les animateurs des tables rondes.
Je remercie également Yuna Chifolo pour la conférence inaugurale, l'association EPICE qui est très, très présente et ici sur le campus de la Fonderie. Et puis bien évidemment, je remercie la FSESJ de nous avoir accueillis, en tout cas au travers de ce colloque, de nous avoir accueillis ici. Voilà, je vous remercie tous et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle manifestation de ce type. Merci. Est-ce que vous pourriez tous vous lever pour remercier Mélanie, qui a fait un travail remarquable ? Je vous en prie.